Bien, merci pour les followers, merci John, merci Guardians. J'espère que vous avez kiffé le stream du KD George. C'était pas prévu que je stream ce soir, les mecs, mais finalement, voilà, je suis disponible, donc je me fais une petite session. J'ai des objectifs Twitch à remplir aussi pour pouvoir vous proposer un stream de meilleure qualité, donc je me suis dit que c'était aussi l'occasion de pouvoir les remplir ce soir. On va voir comment ça se passe. Je tousse toujours, je suis toujours malade. C'est très chiant. Mais bon, écoutez, on va voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Moi, j'ai envie de rigoler. J'espère qu'on va avoir des bonnes scènes. Voilà. J'espère qu'on va rigoler ce soir. On a pas de son. Comment ça se fait qu'on a pas de son? Pourtant j'ai mis le TS. Voilà.
C'était le temps que ça arrive, tout simplement. Ah, Paléto là, enfin on arrive à Paléto, pourquoi? Oh, c'est bon. Bonjour Georges. Ça va? Ah bah oui, toi? Ouais. Oh, ça, je me suis changé, je suis disponible pour faire des bêtises. Ah, salut Georges. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va, là, super. Ah, je vois. T'es tout beau comme d'habitude. Ouais, j'ai moins mal à mon trine. Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce qu'hier je me suis fait opérer. J'ai vu, ouais. Et le docteur il a touché. Et puis là, l'infirmière aussi. J'ai gros plus poil pour mon trine. Ah bah ça va, tu t'en es bien remis, je vois. Si bien, Guardian, si bien, mec, ça fait plaisir. Ouais. Ah, je vais m'emmuter avec les copains. Allez, file, vagabonder. Officier Touch, fin de service, bonne soirée à tous. Ça fait quoi? Ah, c'est pas bien ça! Ah bah non, c'est un gros mot! Ah bah ouais! Tu vas vouloir acheter où, casquette? Moi, vouloir l'acheter même! Ah ouais! Bah, une fois, j'avais été à la fête foraine avec, avec monsieur Pilon, puis il me l'avait acheté! Non, monsieur Pilon, t'as jeté le! Ouais, il est gentil! Non! Respectez bien monsieur Pilon, car lui, t'as été gentil! Oui. Ah ouais, j'aime bien, j'en fais des bisous. Faites attention monsieur Myers, lui avoue le matelas très très dur. Ouais, des fois, monsieur Myers, il met des rousses. Mais tourne pas lui. Lui aime bien faire les spectacles. Guardian, ça fait combien de temps que je fais du RP? Ça fait 2 ans à peu près que je fais du RP. Et le perso, le cas des Georges, ça fait 3 semaines que je joue. Hein. C'est vraiment un perso que j'ai fait comme ça. Dans les contacts. Bah, je l'ai. Non, ils ont rien fait d'autre. Non, je parle de l'autre Georges. Bah, je. Il y a plusieurs Georges, il n'y a pas que toi. Moi, j'ai pas Georges, je suis là. Vous êtes sûr que vous, pas plein de stupéfiants? Ça marche bien. Oh, super! Merci. Alors, vous avez vraiment pris beaucoup stupéfiant. J'ai stupéfiant! Monsieur agent, je pense que votre collègue l'a. Comment il va, Georges? Oh! Georges? Ouais! Faites-moi un petit boulet-boulet là. Je peux vous faire ma petite danse si vous voulez. Oui, faites-moi votre petite danse pour moi. Il y a qui est actuellement en patrouille là, les gars? Je suis en patrouille avec Stanners. Ah, elle est belle. Elle est belle cette danse. Je suis content. On a une voiture de patrouille à l'arrière du PDP qui est sans personne. Et vu le nombre de personnes qu'on avait dans le PDP, c'est pour ça que je te l'avais. Aïe, il a du PD sur la radio. Ah, monsieur Pilon. Salut, je te braise. Ça va, mec? Fidèle au rendez-vous, je te braise. Ça fait plaisir, mec. J'espère que tu vas bien. La voiture. Fermé? Pas ouvert? J'ai pas l'air que je dois aller. Écoute, ça va pas mal et toi? Ça va pas mal, toujours malade, c'est très chiant, je tousse souvent. Du coup, si je mute et que j'oublie de démute, n'hésitez pas à me dire, les mecs. Hein. Comme d'hab, vous savez que j'ai un peu la tête en l'air, pas encore d'habitude, on va dire. Bah écoute, c'est cool, mec. C'est cool que tu kiffes Georges. Pilote, Georges a la tour du contrôle. Oui, pilote Georges, on t'écoute. Ouais, je suis en position pour décollage. Ok, la tour de contrôle t'autorise à décoller. Qui sera à quelle piste? Sur la piste 3, Georges. Ah ouais, mais je l'aime pas, je préférais que ce soit la piste de ski, la rouge.
Ah bah alors, va sur la piste rouge. Non, non, la bleue pas que, je préfère le bleu. Ok, ça tombe bien, allez, va sur la piste bleue. Ouais, d'accord. Salut Dawn. Ça va mec, toi aussi, fidèle, rendez-vous. J'espère que tu vas bien. Eh, hey, t'as oublié ta radio. Oui. Ouais, ça va et toi, Georges? Bah j'ai oublié, bah c'est comme ça, j'arrive. Ah ouais, c'est vrai. Bah faites pas chier là, allez, mon frère. Allez, vous faire voir, vous êtes pas sympa. Ah, qui c'est qui va venir avec moi? Viens avec nous, on vient te chercher. Bah d'accord, bah moi je vais... Je suis devant le commissariat, je me touche le tril. En arrivé. Et ouais, quand on oublie de mute la radio, ça donne ça les mecs. Pas de push tout le talk, donc ça arrive. Peut-être que je la ferme par contre. Putain, Dawn, tu me pousses à la faute, mec. Petite question, est-ce que quelqu'un a la possibilité de donner la radio à un des cadets? Je sais pas. Wadjo. Non, personne, bon, très bien. Cadet Georges, ici à tour de contrôle, on te prend. Oh, super. Vas-y, la procédure, Georges. Début de la procédure. Ah merde, j'ai fermé, attends, j'ouvre. Ah bah c'est bon, j'ai ouvert. Ah bah c'est mieux comme ça. Ah non, attends, aïe, non, aïe. Mais arrête, Stan, c'est bon. Aïe. C'est quoi? Mais il doit faire sa procédure, arrête. C'est quoi la procédure? Ah, vous m'avez fait mal. Vous m'avez fait mal. Voilà, putain, mais Stan. Il faut que j'aille à l'hôpital. Ok, fais ta procédure et on va t'emmener avoir des pansements Hello Kitty, ça te va? Ouais, c'est bon. Dis-moi, voilà. T'inquiète, tu verras. Début de la procédure. Hein? Deux? T'as trois? Il va avancer jusqu'à combien? Et jusqu'à quatre. À chaque fois qu'il va rentrer dans le véhicule. Et fais gaffe quand on a des gros chocs qui changent de genre, c'est bon. La même personne. Ah ouais, si je me coupe taser là? Non, mais si on prend un gros accident, bah, il se transformera soit en l'avocat Sébastien ou alors en une personne, mais je sais plus qui. Si je me coupe taser. Oh, Georges, t'es prêt? Non! Non! Oh! Oh! Salut les hommes! Bon, on a bien des patrouilles là actuellement en ville ou pas? Ça... Les ouais, le nom de personne qu'on est. Patrouille, ouais. Enfin, c'est nous on est en place centrale. Hein. Vous êtes combien? Vous êtes... C'est Tatiana. Ah oui, Tatiana, ouais. Oh, j'ai très chaud. Je lui remets un coup de taser ou. Qu'est-ce qu'on fait là, les garçons? Il est en train de me toucher la cuisse. Tu es sexy toi? Ouais. Stan et le cas des gens, on l'a pris parce qu'il était tout seul. J'ai fait un petit dodo. Ah, il faut que j'aille acheter mes pansements Hello Kitty parce que j'ai mal. Ah, oui, c'est ouais. Pansements Hello Kitty. Ouais, voilà, je vais bien prendre des Snoopy sinon. Ou des bécassines. Y'a Stone qui va te. Enfin, tu dois aller en patrouille avec Stone. Il a. Eh, bon sang, monsieur les agents. Non, non, pas ça, Georges. Oui, je viens parce que j'ai un petit peu mal. Hier, je me suis fait opérer sur mon trilili. Après, je l'avais touché. J'avais tiré dessus. Parce que j'étais content. Et là tout à l'heure, je suis monté dans l'avion. Et après, l'avion, il a décollé, mais j'étais pas complètement dedans. Après, maintenant, j'ai mal et je veux un petit pansement Hello Kitty pour me soigner. Parce que si vous avez des Snoopy, moi, ça me fera aussi. C'est aussi non. Sinon, je vais crier. Après, je vais encore trier. Après, un Snoopy. Bob l'éponge, j'ai entendu aussi des Bob l'éponge. Bob l'éponge. Oh, ouais. Attendez. Regardez pas. Oh, Bob l'éponge. Ça pique un peu. Ça pique, oui, si ça pique, oui. Attendez, je vais chercher ça, j'arrive.
attendez. Attendez. Ouais. Vous voulez qu'on fasse un l'abri d'Erga ou vos collègues ils sont... Oh, deux minutes. Faut que je fasse un truc. Ça fait du bien, tu vois. J'avais envie. Hein. Ah, monsieur, par contre. Y a du jus de pomme qui est tombé. Ouais, mais c'est rien, c'est rien. Ah, restez là, monsieur, je vais vous mettre ça vite fait. Ah, oh, ouais. Mais restez là. Ah, oh, ouais, comme ça, ouais, c'est ouais, comme ça que je préfère. Ouais, mais j'ai pas. Aïe, j'ai un pic. Hop là, voilà. Oh, là, voilà. Vous avez un beau pansement Hello Kitty. J'ai un Bob l'éponge quand je voulais. Bob l'éponge. Ah bah super. Ah, je suis trop content. Attends, je te fais un bisou. Ouais, c'est bon. Ah, merci, monsieur. Merci. Ah, c'est notre métier, vous inquiétez pas. Par contre, faites attention, pas trop tirer sur les sticks. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais, laissez au moins cicatriser avant de retirer dessus. Ah, mais j'ai pas eu un bon pansement. Ah oui, attendez, oui. Ah oui, c'est parce que oui, j'ai pas mis de désinfectant. Attendez, je vous mets ça tout de suite. Hop. Il y a un petit désinfectant là. Ah ouais, c'est bon. Ouais, ça va mieux là. Ouais, vous pouvez, je vais mettre un petit peu de mercurochrome sur mon trilium, comme ça il sera rouge. Comme les clowns. Vous voulez que je mette un peu. Ouais, allez. Hop. Ouais. Voilà, ah, je remets un passement à Bob l'éponge à part au-dessus. Je pourrais dire au fait qu'il est tout rouge. Comme les clowns. Ah bah oui, bah là, oui, vous pouvez. Je peux te dire, il est gorgé de sang, il attend que toi. Ouais, pourquoi faire? Bah ça, bah vous inquiétez pas, elle saura très bien. Si vous le savez pas, elle saura. D'accord. Il est gorgé de sang, il attend que toi. Il est gorgé de sang, il attend que toi. Oui, vous lui dites ça, ouais. C'est bon, normalement ça marche. Là, elle tombe à tes genoux. Il est gorgé de sang, il attend que toi. Voilà. Vas-y, viens, Georges. Oh, d'accord, je vais. Au revoir, merci monsieur. Voilà, de rien, bon courage monsieur les agents. Ah oui, on en aura besoin. Allez, merci. Ah, faut voir qu'on fasse un petit cache-cache. Non. Le dernier cache-cache avec toi, ça a mal tourné. Donc non. On l'a perdu. Vas-y. Ah, début de la procédure. Oui, oui. Tu veux pas conduire, Georges? Si, on laisse Georges conduire. On laisse Georges conduire, c'est Georges qui conduit. Ah, tiens, moi qui conduis. Non, Georges, tu préfères pas être passager et faire le GPS? Non, laisse-le conduire. Tu retournes au PDP parce qu'on doit conduire en semi. Ah, il y a du PD. Non, c'est toi qui descends. Alors, bienvenue dans le train de Georges. J'espère que vous avez compris vos billets, on fera les tout-tours. Vous pourrez maintenant votre petite réduire dans ma petite cheminée. Allez, vas-y, Georges, Tour de contrôle. Ah oui, tour de contrôle, je vous écoute. Décoller. Oh, bah super, quelle piste? Sur la piste rouge. Ah oh, bah c'est ma préférée. Ah oh, comment faut que ça fait? Je suis sur piste rouge, demande autorisation de décollage. Ah, autorisation de décoller, monsieur Georges. Mais attendez, vous avez pas mis l'essence, on peut... Après on va peut-être se cracher. Si, vous inquiétez pas de l'essence, c'est bon. Ah d'accord. Oui. Ah, il y a des hôtesses de l'air avec des gros plots. Ah oui, il y en a une. Oh, allez, on est parti. Attention, il y a des turbulences. Oh non, pas des turbulences. Ah si. Oh, ça me fait peur les turbulences. Alors on arrive, hein, Stony, Georges qui conduit. Oh, il est bloqué dans la turbulence. Non, c'est Freddy qui l'a forcé. On passe ainsi une zone de turbulence, là, on arrive. Tout est sous contrôle. C'est le cas des Georges qui conduit. Le cas des Majors, pardon. Allez, on va s'en sortir. Ah bah c'est bon. C'est bon, on a passé la zone. Ouais, c'est bon. Ok, c'est nickel, ça. On va bientôt atterrir. Demande autorisation à atterrissage. Autorisation d'atterrir, monsieur Georges. J'ai pas réussi. Vous avez raté la piste. Ah, ouais, je recommence. Ouais, il a raté la piste d'atterrissage en arrivant.
C'est bon, c'est là la piste, Georges. Allez hop, c'est bon. Tiens bon. Vas-y, Orsoni. R plus, hein. Oui, oui. Georges, tu préfères pas qu'on conduise. Ah, tiens bon. C'est bon. Ouais, tiens bon. Vas-y, alors tour de contrôle, autorisation de décoller. Ah, ok, tour de contrôle. Je décolle. On va où? On va faire des petits tours dans la ville. Ah bah voilà. Bah on est parti, tour de contrôle. Hein. Ok. J'ai pas vu là les mecs. Alors capitaine Georges, le vol se passe bien. Oh ouais, ça va. Les petites ailes aliennes, bientôt les cacahuètes elles vont arriver. Ah ouais, ça c'est cool ça. Wow. 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 Mais c'est mon fuyard. Ça va genre, il brouille. Ouais, c'est bon, j'arrive. 10-4. Ouais, non, on est sur Vinewood Central. Enfin, Blade. Du coup, commandant... Ah ouais, ouais, je sais. Du coup, commandant Georges... On est à peu près à 4-5 mètres. On vole bien haut. Faites attention parce que si vous tombez, vous allez vous faire mal. Ah oui, non mais. Et aussi, bientôt, on est en train de monter là un petit peu. On va monter un petit peu à 4 mètres 50. Et après, une fois qu'on sera à 4 mètres 50, on va déplonger. On va déployer le plongeoir comme ça. Tout le monde pourra aller se baigner. Ah ouais, se baigner dans l'air. Ouais. Punaise, ça c'est génial ça. Va au niveau du access au gaz. Oh, c'est quoi, access au gaz? C'est à gauche là. À droite. À bâbord. Encore à bâbord. Ah, t'as raté bâbord. Là c'est juste là. C'est juste là, t'as raté bâbord, non? C'est où, c'est là? Oui, c'est juste là à gauche là. Ils vendent des véhicules. Ah, moi j'ai pas besoin d'acheter une voiture, j'en ai plus. Ah, t'as acheté quoi dans la voiture? Ah, bah j'en ai pas. Ah, t'as pas de voiture. Hey, monsieur, Attendez, c'est le cas des Georges qui se gare. Hein. Ok. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es un Georges? Pourquoi embarquer ce connard? Pourquoi avec ça? Grise. Parce qu'il pourquoi me casse les couilles et qu'en plus il prend un doigt. Stan? Merde, y'a pas ça à dire. Il a dit connard. Monsieur l'agent. Non. Oui. Vous avez une. Non, je pense que vous parlez de moi. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Allez-vous aussi. Mes beaux cheveux gris. Merci. C'est quoi cette coiffure? Le rouquin. Bon, il se passe quoi? Tu ressembles à rien, mon frère. On croit un bulldog français. Oh ouais, un bulldog. Monsieur, au besoin, je vais casser la gueule. Ok, c'est bon, j'arrête. Oh Stan. Qu'est-ce que t'as fait, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ça va, Stan? Pourquoi t'as fait ça? Ça va, Stan? Comment ça va, mon petit Stan? Pourquoi tu m'as fait un l'honneur? Non, mais ça va, je rigole, c'est parce que je savais qu'il y avait Stan. Georges, t'as le droit de le taper, il t'a fait un doigt, t'as le droit. Ouais, mais tu me fais un peu de. Je le dégomme, je dis direct police ou pas. Tu me fais un peu de l'honneur. C'est clair? Promis. Allez, je te fais la bise. Désolé, ah, t'es gentil en fait! Ah, oui, je suis gentil! Tiens, je vais faire un bisou aussi! Allez, tu vas? Est-ce que tu auras un petit coca? Je pense que j'ai soif! Ouais, mais. J'ai soif, monsieur, tenez! Tenez, je vais vous mettre bien! Bon, bah ouais, tu peux! Trafic avec la police? Ah bon? Qui tu vous parles là? Oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font les jeunes là? Bah, je leur donne à boire, il a soif. Ah, c'est quoi? Tiens, Stan, toi aussi t'as soif. Ah, pourquoi tu fais? Tu peux arrêter de faire ça. Mais ça va, c'est pour Stan, c'est mon ami. C'est tous les deux, non, c'est Stan. Mais moi je. Un Stan. Merde. Oui, tranquille, là, tu bois ça au volant, au calme. Stan, c'est Aiton là, c'est là. Là. Encore mais c'est à lui, Aiton, ça va ou quoi? Ça va ou quoi, mon pote? Arrête de me faire. Oh! Eh, c'est Dylan qui t'a poussé là, c'est pas Aiton, hein? Allez, Stan. Viens Stan, allez, viens, Stan. Non, Allez, appelle-moi, monsieur. Salut, les garçons. Au revoir, mon petit truc. Gouvernement, j'ai beaucoup plus
de chances de passer. Au revoir, mon petit troquine. Ah, tu as super. Tu préfères pas qu'on conduise, genre. Ah, si, je vais voler. Stan, tu veux conduire? Non, mais si, vas-y. Bah, vas-y, conduis. Bah, y'a pas de procédure quand tu conduis. Non elle est pas bien, ah, ok. Mais ça ferait un bénis numéro 2. Parce qu'à l'heure actuelle, le bénis, c'est ce qu'ils font, voiture et moto. Et tour de contrôle, d'autorisation de décoller. Déjà que sur la là, piste va falloir que je fasse rouge. Pression sur le gouvernement pour avoir attends, l'achat du. Tu vas pas les embêter un petit peu du garage. Regarde, pour les embêter, faut les taser. Alors. C'est pas dit que j'arrive à déjà l'avoir. Mais alors, si en plus derrière. Attends. Tu leur demandais combien elle reprendrait une. Déjà, non, rien du tout. Je pense que c'est mort. En vrai. Waouh. On est dans des turbulences là. Oh, il y a du retard, c'est bon. Ah, ok. Oh, vous savez où est-ce qu'il y a qui me brûlait parce que je suis un modèle. Ah, le gouvernement. On peut aller la voir. Ouais, on peut. Ah, bah, super. Qui me brûlait? Qui me brûlait? J'ai ma copine. Ah, je crois qu'il est pas là. Hein. Ah, il est pas là. Ah, bah, elle est pas là, Georges. Désolé, hein. Oh, non. C'est parce que Georges, il est à côté. Par contre, il est passé à votre fille. Ah, t'as son numéro, carrément. Et ouais. Ah, non, ça répond pas. Ah, bah, elle est pas là, Georges. Oh, qui me brûlait? Non, qui me brûlait, elle est pas là. Mais on encore des bijoux. Tu veux pas un bijou, genre ça? Attends, ils nous appellent. Dans les montagnes au nord. Oh, ah, bah, je vais faire un tour, George, arrête-le. Vas-y, George, arrête-le. Oh putain, il y a. Oh, le doigt là. Eh, hey, le doigt là, on arrête ça. Hein. Vas-y, George, attaque. Là, je reviens. Attends, t'arrêter de m'en faire à toi. Je comprends rien ce que tu as. Tu vas t'arrêter de m'en faire à toi. Quoi? Tu t'arrêtes avec ton doigt. Ouais, je te fais pas de doigt là. Si, j'ai vu, t'as fait le doigt tout à l'heure quand tu es passé près de la voiture, j'ai vu. N'importe quoi. Tu crois que je suis débile? J'ai vu, hein. Ah, allez, d'accord, allez, ciao. C'était un méchant. Faut aller chercher Stan, il est derrière. Va derrière. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. À gauche. Stan, amène-toi, on a une inter. Ah bon, vas-y, j'y vais. Qui lance des grenades de passage. Au-dessus de Winwood, les gars, vous voyez le petit lac? Faut aller au-dessus de Winwood, Georges. J'entends un hélico aussi. On entend un hélico qui décolle. C'est CNN. L'hélico que c'est CNN. C'est l'hélico de CNN qui est au-dessus. Dernière position. Vous voyez le petit lac au-dessus de Winwood? Tournez ouais. Au-dessus ouais, des okay. Routes, au-dessus du lac, autour du lac. Ah, ok. On était par là. On est encore par là. On est en train de tourner dans le quartier là. On a vu toutes les voitures se barrer. Tiens, ils sont garés sur le parking. S4. Ok. Il vient de partir en course là. C'est où? Okay. Description du véhicule, s'il vous plaît. On a 6 voitures, une qui lance des grenades, des super sportives, on est en train de redescendre. C'est bon, on les a chopés, c'est bon. Ok, vous arrêtez le premier. C'est bon, ils les ont asis, continue là. Nickel, ils sont là au-dessus. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il y en a deux qui reviennent dans le centre-ville. Mais on sera jamais les arrêter, hein. Elles vont beaucoup trop vite. ici est Tyler, c'est Alan McGregor. On est à. Bon, le but, c'est dans il y en a deux qui vont dans le centre-ville vers la maison banque, hein, mais on les rattrapera jamais. Ah merde. Je répète, il y en a deux qui vont dans le centre-ville au niveau de la maison banque, elles vont vers le nord. Ah non, vers le sud plutôt. Mais on les rattrapera jamais, elles vont beaucoup trop vite. À toutes les unités, dès que vous quittez la ville, vous avez le droit de tirer dans les pneus du véhicule après 3 sommations. Ok, voilà, bah, on est dans la ville donc. Bah, il vient de le dire, après 3 sommations, on peut tirer. Coupez tous vos gyrophares pour pas se faire repérer. C'est ce qu'il vient de le dire. Stan, oula.
Georges, tu la suis et quand on quitte la ville. Ouais, ouais, on en a chopé un, on en a chopé un sur la route. Vous l'avez coincé ? Vous l'avez arrêté ? On en a chopé un sur la route, sergent, là où on était. Vous l'avez eu ? On s'arrête, on s'arrête. Ouais, on l'a eu, ouais. En position. Vas-y, fais demi-tour, fais demi-tour. Par contre, le véhicule est retourné. On arrive. Je reviens où on était. Retire-toi de la ville. Quoi ? Il a disparu. À droite, droite. On arrive, tenez ta position, faites gaffe. Ah, oh, il a klaxonné le fils de pute. T'es où exactement, McGregor? Vous voyez les routes qui descendent depuis le lac. C'était ça, c'est là où toutes les voitures sont. D'accord, ouais. La route qui était de gauche ou à droite? À droite. Ouais, il est là, je crois. Il est là. Il est couché derrière le muret, je crois. Non. J'ai vu des phares, hein. Va à gauche. Quoi? Elle ne tue pas aujourd'hui, Georges. Ah là là. Nous, on en suit toujours un. On est au niveau de la pompe essence 5 sur 18. Mais ils vont beaucoup trop vite. Ouais, il était là. Mais en fait, je sais pas les. Allez, on s'arrête. Ah, j'ai craché. Craché. Vas-y, fais demi. Allez, essaye. T'y arriveras. T'es un pilote. Allez, Georges, tu peux le faire. Tu veux pas que je conduise, Georges? Vas-y, on peut le faire. Allez, arrête-toi là. Arrête-toi. On va devoir ouvrir le feu après, on n'a pas envie. On a pas le temps de tirer ici. N'hésite pas à lui rentrer dedans. Allez, sort de la ville. Vas-y. Arrête de boire. Tu sors de ton véhicule. On est en dehors de la ville là. Après là on est dehors de la ville. Théoriquement. Tu touches là. On a 4 des voitures devant nous. On est au niveau de la supervette. Ils sont dans la ville. On survit. Elles sont les 4, il y en a 4. Et il y a la voiture de cache-cache dedans. Tu peux être proof, ouais. Pour prendre des plaques. Non, c'est ça, rien gros. Oh non! Vas-y, on arrive, on arrive. Reste là, on va pousser. On va pousser. Ah, j'aime bien, j'ai la tête en l'air. En bas, j'aime bien. C'est marrant. On pousse. Ouais. C'est bon. C'est bon, j'ai poussé, je me suis chié dessus. Ah, c'est bon. Essaye d'aller de droite à gauche. Essaye d'aller de droite à gauche. Tu passes plus le poids de la voiture. On pousse de nos forces là. On est sur le toit. Allez, Georges, je peux le faire. C'est bon, je me suis fait cacasser, j'ai poussé. C'est bon. Oh bah, j'ai craché. Putain. Oh, j'ai caché la voiture. T'es sûr, il y a eu du mal là. Eh vas-y, bourre dedans. Attends. Écoute. Y'en a un au niveau du bénisme, mais je sais pas du tout s'il participait. Non mais en vrai, il faut qu'il la joue. Caché. Attends, remonte dedans, Stone. C'est pas Stone, c'est McGregor. Vas-y, remonte dedans, McGregor. Ah ouais, c'est bon. Vas-y, je prends le volant, super. Vas-y, ah, j'ai caché là, je... Là, ouais. Allez, Georges, en voiture. Ouais. Moi, elle est pas cachée. Voilà. Début de la procédure. Pas vrai. On les a perdus au niveau de Grove Street. Non, le Grove Street. 3. Ils étaient 4. C'est bon.
J'ai craché la voiture. Bravo, George. Oh, bravo, 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 George. T'étais un pro du volant, là, sur ce coup-ci. Mais qu'est-ce que c'est? Elle a combien la voiture? Mais laissez-moi descendre, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, vous êtes un agent de police. Regardez, je vais mettre un petit peu de laser. Mais pas du tout, mais je ne suis pas un agent de police. Mais arrêtez de tirer, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Laissez-moi descendre. Écoutez, laissez-moi descendre. Je m'appelle Jean-Baptiste, je ne suis pas agent de police, je suis avocat, j'ai eu le barreau. Si, ne vous inquiétez pas. Non, s'il vous plaît, laissez-moi descendre. Arrêtez-moi sur le bas-côté. C'est pas possible. Non, vous êtes agent de police, monsieur. Je m'appelle pas Georges, je m'appelle Jean-Baptiste. C'est un cauchemar qui revient continuellement à chaque fois que je me réveille. Je me réveille dans ce putain de cauchemar. Mais c'est pas possible, arrêtez. J'en peux plus, je craque nerveusement. Attendez, je vais vous mettre un petit coup de poing, vous allez vous réveiller, vous inquiétez pas. Mais aïe, mais qu'est-ce que vous faites? Me tapez pas en plus, vous êtes dingue. Vous êtes complètement dingue. Laissez-moi descendre, s'il vous plaît. Je vous en supplie. On peut pas vous laisser descendre. Je vous en supplie, s'il vous plaît. On va pas abandonner notre cadet sur la route. Mais de quel cadet vous parlez? Arrêtez, s'il vous plaît. Laissez-moi descendre. Harrington, j'en avais un, tu vois, devant la carrière. Il y en avait un, et je l'ai ramené au PDP dans la ville. En plus, vous êtes homosexuel. Mais c'est pas possible. Enfin, je sais pas ce que tu veux dire par 4x4, en fait. C'est un cauchemar. Laissez-moi descendre. Après, vous ne faites pas. Mais là, ça recommence. Oh non. Mais quel enfer. J'étais tranquillement au bureau. Et là... Je descends. Arrêtez. Non, descendez pas. J'étais en train de remplir des textes. Georges. Mais j'étais en train de régler un divorce. À l'instant même. Et là, je me retrouve là. C'est pas possible. Il y a pas sa radio. S'il vous plaît. Laissez-moi descendre. Ramenez-moi à ma femme Valérie. Oui, c'est ce qu'on a fait. Mais là, c'est plus genre, là, c'est parti. Arrêtez. Non, je craque. Je craque. En fait. Arrêtez. Ouais, c'est ce que je fais. Attends, Georges, je vais te mettre une énorme claque. Mais je m'appelle pas Georges. Arrêtez de... Aïe. C'est bon, il est revenu à lui. Ça va, Georges? Oh, ouais, je pars. Regardez là-bas, c'est un feu de forêt, on peut y aller? Allez, oui, on va y aller. Super! Attends, faut que je saute! Si on voit un feu de forêt, faut que je saute! Laisse-moi descendre! Vite! Ouais, on y va! Je suis excité! Il faut que je descende! Je suis très, et fais pas un infarctus, hein. Bonne soirée. Regarde là, tu veux faire ça? Faut que j'aille. Hassan, viens voir. Hop. Tu vois des merdes des départs. Oh, moi je vais là-bas. C'est là que je vais aller, moi. Elle est cassée, je... Ah non, elle est pas cassée. Oh, c'est là.
Ah, je passe mon tête. Wouh. Virage. Virage à 360. Charge. Wouah. Ah, je m'accorde comme un petit fou. Oh, descends à 300 000 km/h. Éjection. Oh, t'es bien là. On s'amuse bien. On rigole bien, on est avec les copains. On fait des petits manèges, tout ça. On va manger des popcorns. Les popcorns, comme les petits démons, ils ont des petits popcorns sur la tête. Oh, c'est bien. J'arrive. Ah, comme c'est beau. C'est vraiment bien comme manège. J'ai beaucoup de sensations. Voilà, c'est terminé. C'est bon, c'est fini. Ouais, c'est bon, c'est fini. Viens, on prend les patrouilles maintenant. Ok. Putain, j'ai plus de voix, les mecs, à force de crier. Plus la maladie. Je suis mort, là. Attendez, Stan. Oh, Stan. C'est Stan. J'entends et... Stan s'est écrasé quelque part. Oui, je le vois. Il est là-bas. Enfin là-haut quoi. Oh, regarde le petit cactus. Oh, viens, on va faire les auto-tampons. Oh, il n'y a pas de médecin. Viens, on va faire les auto-tampons. Il n'y a pas de médecin. Oh, bah, attends. Ouais, attends, je vais chercher des petits Nesquik. J'étais une feinte. Ah, j'en avais marre de la fête foraine. J'ai caché. Descends de là. Allez, descends. Pourquoi? On doit sauver notre collègue. Oh, moi je l'aime pas, je m'en fous. Mais si, gentil, viens. Oh non, je m'en fiche, moi. Ben là, on attend parce que Stan est dans le coma. Oh, regarde. Oh, je vais pas faire ça. Comme les Kiamakashi. Yo, Kasha. Ça va, mec? Tu t'es revu en taille? Oh, j'ai ce pantalon, je peux peut-être y aller. Ninja! T'as pas eu de notif de mon stream? Écoute, mec. Non mais on va pas l'attendre là, Kasha. Bah les médecins. Viens, on fait du Kasha, basket. Oh ouais, du basket. Y'a des boules. Bah oui. Ouais, comme moi. Moi j'y vais. En vrai, moi je vais trouver Zardoz là, qu'on rigole un peu. Salut Mac, ça va et toi? Écoute, ça va la forme. Mais y a pas grand monde, j'ai l'impression là. Je stream un peu tard. Bonjour, monsieur. Ouais. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que tu fais, Georges? Ah, je sais pas, je vais dire bonjour à monsieur. Ah ouais. Bonsoir, voilà. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous voulez venir avec nous? On va faire des petits autos tamponnés, après on va peut-être faire un peu expérimenter encore une fois. Vous inquiétez pas, monsieur. Il est normal, hein. Ouais, venez, je vais vous montrer, ça va être bien. On va s'amuser, après on pourra manger un petit peu des donuts, après manger des petits Nesquik. Bah pourquoi pas? Bah pourquoi pas? Bah super. Bah on y va, soyons foufous. Soyons peut-être un petit peu mongolo-golo. Juste un peu. Ouais, un petit peu. Oh bah venez. Allez. Je vous suis, oh bah ouais, venez. Oh. Oh. Attrapez-moi si vous pouvez. Magister, il a rigolé. Magister, c'est pas un fan du RP, je crois, à la base. Donc je suis pas sûr que ça le fasse rire en vrai. C'est là! C'est ici! Ah, venez, c'est là! Ah, venez, c'est là, espèce montagne! Oh, wow! Wow! Les mongolo-golo! À fond! À fond! Wow! Oh là là, la descente, un mec qui va être là. Ouais, chouchou, ouais, chouchou, dans la perche, chouchou, papa, ouais, je sais pas. Merci pour le don. C'est Mac encore. Mac, arrête tes conneries, hein, maintenant. T'arrêtes tes conneries, mec. Hein. Merci, merci, mec, ça me fait plaisir, mais arrête, c'est cool. Mais arrête tes conneries. J'ai presque fini mon tour du Space Mountain. Si merde, Mac, c'est vraiment cool. Encore un progrès vers ma webcam. En même temps, si je me mettais à stream là avec la webcam, les gars, vous verriez mes tétons parce que je suis nu devant l'ordinateur. Voilà. Voilà, ça me plaît. Tiens bon, j'ai réussi. Aïe, 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 aïe. Je me suis fait un tas. Je me suis viandé. Je me suis viandu. Je me suis viandé aussi. Chaque fois que je les fais en courant ici. Ouais. Bah c'est facile pourtant. Oh, comment tu t'appelles? Reed, Jack, Alex. J'ai rien compris. Alex Reed. Oh, juste Alex, c'est bon. Oh, parce que t'es vieux. Non, c'est juste mon nom, c'est... On fait avec. La cam, c'est juste pour les e-girls. La blague sous les rides, je dois avouer que je l'ai souvent. Y'a pas de... Y'a pas habitué. De e-girls sur le stream. Parce que moi, en vrai, je prends les mecs, hein. Le vieux, le Jack le vieux. Le vieux Jack. Non, c'est pas Jack, c'est Alex. Et pas si vieux que ça, pas si vieux. Ouais. Oh bah tiens. Oh Stan, ça va? Je vais vous laisser aller bosser. Oh ouais, bisous. Attends, faut que je... Non, je te fais un bisou, Jacques. T'as plus la procédure? Bisous, je vis. Ok. Bonne soirée à vous. Au revoir. Trois. Ouais, Louis, j'écoute. Oh, 4 c'est bon, on peut y aller, on peut mettre les papons. Vas-y Mac, vas-y. Mets un petit décolleté, tu vas être my girl préférée. En vrai je crois que t'essaies de me pécho Mac, hein. C'est pas possible autrement. Y'a un truc que tu me dis pas, hein. Bon écoutez, j'espère que vous passez un bon moment, en tout cas... Là, non, pas bon, je des papons, super. Ok.
Il a TPD. C'est quoi la primo qui est primo? D'accord. Ok, ça roule, on s'en occupe. Il faut aller au PDP, là va au PDP on les voit. Il y a encore du PD. Arrête. Mais tu vas où Aïe. Aïe. Oh non. Ah, non. Il se perd, il va pas changer. Non. Il a vérifié. La côté d'un jour, qu'est-ce que c'est que cette merde? Arrête tes conneries. C'est quoi cette voiture? Et tu es qui maintenant? A ton avis. C'est la voiture avec les deux mecs. A ton avis. Les deux mecs, les foutaient le bordel au Akizukaz. Bon, attends, je vais y mettre une grosse star. Qu'est-ce que c'est que ce gilet jaune dégueulasse? Vous voulez que vous me vendez ça, pourquoi? Hein? La vérité, c'est une petite boutique. Bon, on va le laisser dans la voiture. Hein. Ah, je vous jure. Ça, la poignée, là. Je sais pas si... La vérité, les gars. Apparemment, près du pont. Je peux vous faire des prix. Vous allez être bien. Où ça exactement? Je vais vous mettre bien. Vous serez bien sapés. Des princes. Je vous jure. Vous allez être beau. Garage, là où y a les bagnoles, les femmes, elles vont vous regarder. C'est quoi le garage? Ah, vas-y, à gauche, là-bas, à gauche. Vas-y, avance. Avance. Stan, avance. Avance, Stan, avance. Dans la vie, faut avancer, Stan. Là, à gauche. Je te jure. Si t'avances pas, Stan, tu vas stagner. Pas, j'entends les tirs. Au pire, tu vas reculer. Il faut avancer, Stan. Et tu sais comment? Il faut avancer bien sapé, Stan. Toujours avec la classe, l'élégance. Et quand on voit ta gueule, Stan, on sait très bien. On sait très bien, Stan. Que toi. Je vais lui mettre une énorme claque. T'es pas du genre de mec. Avancer. Et Siro, en toi, Stan, t'es un loser. Ça se voit, là, la vérité, t'es un loser. Stan, déconne pas. On peut avoir les infos sur le bâtiment, c'est pas aussi le truc des voitures là comme. Le bâtiment, bah c'est une petite boutique. Tu viens, Stan, je te mets bien, y'a Shoshana, elle te sort un jean, une petite chemise. On te met bien, je te jure. Putain, ça fait plaisir. C'est pas Georges, arrêtez. Putain. Je vais lui mettre une énorme claque. Je m'appelle pas Georges, arrêtez, mon connard. Je mets une énorme tarte, je mets une énorme. La vérité. Ça me fait pas. Oh, aïe. C'est bon, t'es Georges là. Georges. Ah, maintenant c'est un aveugle. Un soir plutôt, hein, tu m'as compris, muet, ouais. Ah, des fois il est muet. Il est sourd, muet, aveugle. Ah maman, même pas, là, que vous étiez pas gentil. Pas gentil. Mais ils sont où, putain? Et tu es qui maintenant? Mais t'es con, on est passé devant juste à l'heure, Stan. C'est quoi, c'est le PDA? Je suis Grégory. Mais le garage du PDA. Le petit Grégory. On doit se barrer, de toute façon. Vous pouvez me ramener à ma maman? On va se barrer, Stan. S'il vous plaît, monsieur Stan. Vous pouvez. Qu'est-ce qui se passe, Qu'est-ce qui se passe, Georges? Je m'appelle pas Georges. Tu t'appelles comment? Grégory. Ah ouais, et t'as quel âge, Grégory? 8 ans et demi. Ah, ok. Comment, ah, putain, c'est vrai. Vous pouvez me ramener à ma maman? Elle est où, ta maman? Je sais pas. J'étais avec elle à l'instant et puis je suis arrivé là avec vous. Vous me faites peur. T'inquiète pas, faut pas avoir peur, on est de la police. Vous me faites peur. Ramenez-moi à ma maman. J'en ai marre. Y'a pas quelqu'un qui veut prendre Stan à notre place parce qu'on peut rien faire. T'es pas Stan. Pas Stan, Georges plutôt. Je m'appelle Grégory. Arrêtez de m'appeler Georges. Ramenez-moi. Mais Georges, ferme-la. Je pleurais. Vous allez me faire comme papy? Oui. Oh non. Dans le cul. On va te mettre une matraque dans les fesses, comme papy. Arrêtez, non, pas là, pas ici. Si, regarde, un endroit tout sombre, t'es bien ça. Ramenez-moi. Je vais aller au Disney, encore une dernière fois. Putain. Attends, mets-lui une énorme tarte, Stan. Je peux pas alors. Stan, ne me faites pas mal, Stan. Aïe.
côté quoi. Aïe. C'est bon putain. On est sauvé. Oh, on est sauvé. Oh, pourquoi y'a les petits extraterrestres qui viennent? Ils vont nous tuer, après ils vont nous faire du mal et ils vont peut-être probablement enlever. C'est pas là en bas. Ils vont enlever Chantal Goya et après ils vont la faire chanter du rap. Oui c'est ça. Avec des négros. Mais c'est pas quoi ici là? Moi j'ai dit négro sur le combo. C'est où? C'est en bas là? Non mais Georges, arrête. Quoi? Non mais les gars, y'a des mecs sur les toits. Y'a des AK à l'autre côté. C'est en bas à droite là? Ouais, c'est pour ça, n'y allez pas. Faudra juste aller récupérer les voitures. Arrête, ils sont invincibles en plus. Oh, mais non, mais faut pas faire tomber ton coquin, Georges. Ah, si, j'ai fait tomber mon coquin. Il est là, il roule. On a eu un record là en 15 minutes, on a eu 5 personnalités. Bon, du coup, vous donnez Georges. Salut, George, tu peux salut Max, ça va? Ah, ouais, Georges, je vois bien. Non, Georges, reviens. Salut. Attendez-moi. Attendez-moi. Attendez, je suis dans la voiture, j'ai pas fait ma procédure. Attendez, parce que je vais pas. Attends, Georges, attends deux secondes, Georges. Oh, non, je peux pas. Vas-y. On récupère le volant, je récupère la voiture qui est là. Eh ouais, mec, les extraterrestres vont enlever Chantal Goya. Début de la procédure. Vas-y, mon Georges. Ouais, bah j'arrive pas. Oh, j'arrive pas. Oh, j'arrive pas. Attendez-moi. Début de la procédure. C'est fermé. Attends, j'avais lui. Deux. On est toujours en bas, on est à la deuxième. C'est pas fini. Sinon après je te dis un gros mot, après je c'est pas bien. Arrête, c'est pas fini, tu vois, 3. 4. C'est bon. Putain, où est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là, c'est pour lui. Elle a combien la voiture? Oh, je sais pas, à peu près 1000, hein, de copies près. Non mais vraiment Stan, elle a combien? 32. Stan 1000 à droite. On rentre au PDP. Ah, il y a du PD. Allez. Cassé. Allez, je reviens. Ouais. Allez, cours un peu. Mais oui, mais. Sur le temps qu'on voulait venir, la jambe, j'ai changé deux fois de gars. Du coup, on a dû l'arrêter deux fois sinon. Mais tant pis, vous avez qu'à le laisser. Il était dans la voiture, fallait le laisser quoi. Là franchement on aurait eu tous les remparts. Qu'est-ce que vous dites les mecs? Faut que j'arrête de dire les deux lettres, c'est ça? Non mais on aurait eu tous les remparts, franchement on les chopait tous, ils avaient des armes et tout les gars. Bah on en a quand même chopé quelques-uns non? Bah non, on a rien chopé non. Oh, bah, on était sous le feu. Mais les gens que vous avez chopé les voitures. Non, ils étaient dedans mais les gens étaient encore là-bas, on était sous le feu donc on a rien pu faire quoi. Ah, okay. Les mecs quand ils ont commencé à nous carder, ils ont plus barré en courant quoi. Okay. Vous savez qui était la personne? Non, du tout, non. Oh non, je sais pas, parce que non, c'est pas grand chose. Stone, ils étaient combien? Ils étaient facile 10, c'est pour ça qu'on a demandé tous les renforts possibles. Ah bon, ils étaient défoncés? Donc voilà qu'au bout d'un moment. Oh, vous avez dit que j'étais Stone. Ouais, on reste encore sacrément en sous-effectif, hein, bon sang. Hein. Mais on aurait eu tout. On est là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est 14 au total. J'ai écouté l'air magique et j'étais défoncé. Moi j'étais dans la voiture avec le commissaire. Ouais, on était que 4 sur l'opération alors qu'on est 14, donc bon. Bon, apparemment le suspect s'est enfui dans un véhicule Lamborghini avec un ami. Quoi? T'as eu quoi comme problème? Comment ça comme problème? Tu voulais plus monter dans la voiture? Ah si, mais j'arrivais pas, je comprends pas pourquoi.
J'ai essayé un peu, ça voulait pas. J'étais bloqué, alors après j'ai été avec, avec mes autres copains. Après, on a chanté des chansons dans la voiture. Après, il y en a un qui m'a touché un petit peu mon tril. Et après, on a bien rigolé. J'ai passé un bon moment et je suis content, je vais toujours faire des bisous. D'accord. Oh bah quand je vous fais. Vous voulez pas le prendre un peu, Peterson? Le prendre avec moi en enquête? Oh, oui, oui. C'est toi, Peter Pan? Oh, super, c'est le... je suis Peterson. Oh, j'ai toujours voulu te rencontrer. Oh, moi je pensais que t'étais ouvert et un peu petit peu plus blanc. Oui, et ma soeur, c'est la fée Clochette. Ah bon? Déçu? Super. Oh, tu peux me la présenter? Écoute, moi je t'ai dit, si tu veux la voir là, elle est au magasin de vêtements au bout de la rue. Elle m'a dit un truc. Si tu vois Georges, tu lui dis de venir me voir, mais à pied. Bah je vais alors. Merci, je vais vous faire un bisou, vous êtes gentil. Je vais. Je t'attends là. La fée Clochette. Elle est pas loin. Je vais enfin la rencontrer. C'est bien pour la promo les mecs, mais en vérité vous embêtez pas, hein. On va faire de même. Clochette. Clochette. C'est pas vous. Vous n'êtes pas la fée Clochette. Voilà. Monsieur Cadet, regardez comment il est habillé l'inspecteur. Prenons photo. Alors, laquelle? Chemise rose et chemise rose. Il est dans la cabine des sièges. Si vous voulez, on vous donnera une photo, vous la ferez tourner au commissaire. Ouais. Ah ouais, on dirait un petit rouleau de papier toilette. Eh, monsieur Cadet. Ouais. Si vous voulez, on vous l'envoie par mail et vous la faites tourner dans tout le commissariat. C'est quoi un mail? D'accord, bon bah. Peut-être qu'on peut l'accrocher à un pigeon et puis l'envoyer. Et puis peut-être que les gens ils vont le recevoir après, ils vont nous renvoyer une photo avec eux et puis qu'ils sont tous dessus. Peut-être que c'est comme ça. Après on pourra jouer avec le caca du chien. Ah bon? Ouais, super. Mais dites-moi, monsieur, c'est pas vous qui étiez venu au tracteur pour regarder les tracteurs? Ouais, si, c'est moi. Vous avez testé un tracteur, si vous me... Ouais, j'ai monté dedans. Après, j'étais dedans et j'étais bien. Ah, mais vous êtes toujours pas monté plus haut cadet depuis le temps? Non, je suis cadet major. C'est moi le chef de tous les cadets. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ouais. Enfin, vous le méritez, hein. Ouais, je sais. Ouais, super. Oula. Oui, c'est... Ouais. Ah ouais? Et lui, c'est le PQ? C'est pas du PQ! Bah si, regardez! C'est d'où? C'est du Montonel? Tout à l'heure, il avait des chaussures roses aussi comme ça. Ah, moi j'aime bien! Ah, fou le PQ! On va l'appeler Lotus! Lotus Reading! Attends, m'appelle. Allo? Lolo! C'est nous, tu faisais quoi là? Je cherchais la fée Clochette! Ah, tu l'as pas trouvé? Non! Parce qu'en fait. Je sais où elle est, moi! J'ai vu monsieur l'officier Peter Pan, il m'a dit: va voir la fée Clochette, elle est dans le magasin! Tu la trouveras ici! Mais je l'ai croisée, moi, la fée Clochette! Elle est où? Elle est aux vignes, dans le nord! Oh! Ah bon? Ouais! Je vais y aller alors! Allez-y! Marché pour l'info. Y'a pas de problème. Bisous. Ouais, pas de problème. Faut pas que j'oublie de boire. Ça te remonte de que dalle, ça. Ok, d'accord. Je sais pas qui c'est, moi, ce mec.
Oh, monsieur Pilon. Wouah. Oh, ça va, Georges? Oh, bah, ça va bien, je suis content de vous voir. Viens avec moi, je veux que j'aille au garage. Ouais, moi aussi, faut que j'aille voir, faut qu'on aille à la ville pour retrouver la flèche clochette. Oh, c'est monsieur Peter Pan qui me l'a dit. Quoi? Ouais, l'officier Peter Pan. Oh, j'ai fermé. Il y a qui court, là. Oh, j'ai fermé. Attendez. Oh, d'accord. Oh, J'attendrai. Bonsoir, Georges. Georges. Ouais. Ouais. Ouais, bah. Je suis là. Ouais. Oh, bah, montez. Oh, attends, début de la procédure. Hein. Deux. Vous avez une belle voiture. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il faut que... Ah, j'ai pas oublié. Trois. Trois. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, quatre. Oh, on peut aller voir la fée clochette. Est-ce qu'il y a pas... Non, on va au garage. Oh, faut parler un petit peu fort. Oh, pourquoi faire? Ah, pardon. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Oh, pourquoi pas faire? Pas casser les oreilles. Parce que j'aimerais essayer de gratter des modifications pour mon véhicule, mais pas cher. Oh. Pas d'argent. J'ai rien compris. Ouais, d'accord. Moi, une fois, j'avais gratté dans mon cachot, j'avais un petit peu de caca et j'ai gratté au fond. J'ai un fait sur le doigt. Georges, c'est un peu sale ce que tu racontes. Bah ouais. Oh, j'ai les copains à Peter Pan. Ils sont tout en vert. Oh, c'est sûr, c'est eux. Oh, ils doivent savoir où est Clochette. Quoi. C'est quoi ma meilleure pub Cacharel? J'ai pas compris. Aïe, vous chier quoi? Oh, c'est vos chier, vous pouvez aller voir le monsieur qui ressemble à le papier toilette. Oh, à droite. Y'a quelqu'un du coup? Non mais arrête. À droite. Non, je crois qu'il y a son des mecs. Ah, c'est fermé. D'accord, vas-y. Allez à droite. Attendez, je crois qu'ils veulent me parler. Oui, quoi? Mais oui, non, mais s'il n'y a pas d'employés, moi je vais pas travailler tout seul. Hein. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait des employés. Moi j'ai. Bah non, mais j'ai un peu le problème de travailler, tu vois. Ouais, ouais. Bon, moi j'ai. Non, c'est pas grave, non, je passerai plus tard, vous inquiétez pas. Moi j'ai pas travaillé. Tu voulais faire quoi déjà, Georges? Je voulais aller voir la fée clochette parce qu'elle est dans les vignes, les gens, ils m'ont dit. C'est monsieur Peter Pan qui m'a dit. Non, mais. Ouais. Il est évidemment de Lille là. Ouais, il est dans les vignes de vin, il y a la fée clochette. Peter Pan m'a dit qu'il fallait que j'aille là-bas pour la trouver. Tu es sûr que c'est vrai? Je pense qu'on va faire beaucoup de route pour faire la chose. D'abord, il m'avait dit qu'elle était à la boutique de vêtements, près du commissariat. J'ai été, il n'y avait pas. Après, là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'elle était dans les vignes. Et qu'il avait vu. La fée clochette. Ouais, la fée clochette. Vous savez, la petite fille avec les gros plots blocs qui a des ailes. Ah, c'est elle. Ouais, c'est elle. Des gros plots blocs, mais. Ouais. Ah, la fée clochette. Ouais, la fée clochette. Ah, mais non, je vais te la montrer. Je sais laquelle tu peux se moller, moi, la fée clochette, Georges. Moi, j'aime bien la fée clochette parce que à chaque fois que je parlais avec Timmy, je disais, ouais, moi, tu sais, j'aime bien Peter Pan, j'aime bien la fée clochette. Et lui, il me disait, ouais, mais moi, tu sais, moi, j'aime bien la fellation. Je la connais pas. Ouais. Et c'est celui qui aime jouer avec son zizi, c'est ça? Ouais, non, c'est celui qui aime sucer tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. C'est mon seul copain. Enfin, c'était mon seul copain à l'internat. Maintenant que je vous,
Je suis content. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Bobby, ça va? Ah, Bobby. Ouais, j'ai un petit site à te demander là. C'est pour un. Tu connais KD Georges? Ouais, oh, un petit peu de respect. Petit... Ah, celle-là, j'ai été la chercher, celle-là. Elle fait plaisir, hein. Non! En plus, elle va vachement bien avec Timmy, quoi. Timmy qui suit tout le monde. C'est moi qui parle ou? Un cadeau? Ah, moi, je suis pas un cadeau, non, je suis un cadeau. C'est pas le moment, t'es pas dans un bon mood. Je te rappelle, Bobby, plus tard. Hein. Ah, monsieur Pilon. Oh, je vous ai entendu au téléphone. Ah, je crois que vous êtes trompé. Parce que moi, en fait, je suis pas un cadeau, je suis un cadet. Non, j'ai dit, je voulais te faire un cadeau. Oh, c'est vrai. Moi, déjà la dernière fois, vous vouliez me faire un cadeau, mais vous me l'avez jamais donné. C'était pas un cadeau. Je sais pas, je vous crois pas. Je vous crois plus. Ah, vous savez, je suis pas un mongolo, hein. Je reconnais quand on me fait des blagues. Et vous m'avez déjà fait une blague. Je pense que vous allez. Vous allez m'en faire encore une. Ah, monsieur Pilon. Ah oui. Vous oui. Savez, la petite auto que vous m'avez offert. Bah. Perdu. Attends, je l'appelle. Attends, excuse-moi, j'appelle la fée clochette. C'est vrai? Eh oui! Oh! Oui, ma jolie fée clochette! Oh! Oh! Mais ça va et vous? Oh! La plein fée clochette! Oui! Oh! Oui, ça y est, je suis tout. Tout est bien. Dites-moi, la fée clochette, j'ai un petit service à vous demander. Oh! Ouais. Il est à côté! Vous voyez, il faudrait que. Attendez, ne raccrochez pas. Georges, tu restes ici, j'arrive bien. Ouais. Oh, je connais la fée clochette. Quand je vais raconter ça à Timmy, il pourra se ranger avec sa fellation. Moi, j'aurais vu la fée clochette. Salut, monsieur perdu. Comment tu vas, mec? Oui, vous avez demandé de l'argent, c'est ça? Un peu de chier, mamie, hein. Ça va, arrêtez. Bon, rappelez-moi quand c'est bon. Mais vite, hein. Ok. Ah, ben là, à mon avis, je la fais clochette. Il faut qu'elle finisse de repasser son linge et après, c'est bon. Oh, c'est vrai? Oh, mais comment ça se fait qu'on vous envoie son numéro? Vous me l'avez jamais ben, dit! Parce que tu sais que je connais beaucoup de monde, Major! Oh, bah ouais, bah! Oh, bah, vous savez, je suis complètement fan de la fée clochette et puis. Bah oui, vous allez voir comment elle est belle en plus, elle est belle! Oh, ouais, j'ai déjà vu, elle est petite, elle est blonde, elle a des gros plots, elle a des petites ailes! Et non, en plus, elle est pas. Non, mais petite, mais parce que. Tu l'avais vu dans la télé, non? Ouais, j'avais vu à la télé! Ah oui, mais maintenant elle a grandi, elle est grande, elle est belle, elle est grande! Ah ouais! Bah oui! Ah bon? Bah oui, maintenant elle a grandi, elle est plus grande que moi encore! Oh non, c'est pas possible ça! Parce que vous, Georges! Vous êtes grand vous! Bah oui, mais. Ah, oui, la fée clochette elle est encore plus grande! Ah ouais! Elle est très très grande! Ah ouais, elle est grande! Bah oui! Rien à voir! Ah, monsieur Pilon, vous savez, la voiture que vous m'avez fait comme cadeau! Bah, je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai perdu! De quoi? La voiture où je t'avais tout équipé avec le visage et tout? Ouais, avec le gros nez et puis la bouche! Non, elle est... Bah j'avais mis dans mon garage et puis... y a, vous connaissez le Gérard Malax? Ouais... Bah il a dû passer! Ah mais vous l'a piqué, ouais... Ouais, puis il a malaxé et puis voilà... Dis-moi Georges, tu aimes bien les taxis? Oh, bah d'accord. Non. Ouais, d'accord. Ah bah quoi? Ouais. Ouais. Respire un peu parce que j'ai l'impression que... Ça va, ouais? Ouais, c'est bon. D'accord, attends. Vous la récupérez où, ami Tremblon? Enfin, le... Vous la récupérez où, la voiture de patrouille?
Écoute, nous ça va plutôt bien. Ah, d'accord. Perdu. Dites-lui de. Dites-lui que. Que mon rendez-vous avec la fée clochette est urgent, j'arrive à pas les temps. Ouais, là, la fée clochette, c'est maintenant. On y va, on y va. Dites-lui ça, vous inquiétez pas. Monsieur Pinot, on y va. Mais oui, on y va, je vois. Attendez, on y va, on y va. Oh la vache. C'est bon. Tu touches à rien, Georges. Je m'assurais sur les siens, c'est bon. Parce que vous savez, trois. J'en appelle encore. Yalo, oui, yalo. J'ai le commissaire. Attendez, pas maintenant, je suis sur une urgence là. C'est bon. On va voir la fée clochette. Ouais, ça marche, à tout à l'heure. J'ai une grave. Non, on va voir la fée clochette. Cadet, c'est bon. C'est le cadet major. Je vous suis. Non, parce que j'ai un rendez-vous en tête à tête. Je tiens les moi parce que je suis fan. Je veux peut-être. Ouais, je veux. Amusez-vous bien. Des gros plans. Tout à l'heure, cadet. À tout à l'heure. Quoi? Ah, j'ai dit à tout à l'heure. Je me suis tué sur le siège droit. Non! Bah si, parce que sinon, je suis obligé de me tuer sur moi, je sais pas. Après, je vais voir la fée crochette, elle va dire, ah, qu'est-ce que c'est, c'est vous savez. Tu lui dis, c'est... Non, 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 c'est les... Qu'est-ce que c'est du gel, c'est... Vous voulez vous coiffer, vous dire... Tes cheveux, comme ça, tes beaux cheveux, ils sont tout seuls. Ouais, bah, je... Ouais, d'accord. Ok. Comme ça, t'as plus besoin d'acheter du gel. Ouais, c'est bien, là, comme ça. Ouais. Salut sauvage, ça va pas du tout mec, je tousse encore. On y va, là. Mais je fais avec. Content de te voir mais mec, je j'espère que tu vas voir si elle a bien avancé et la fée clochette si elle a bientôt fini le temps de son heure. Ouais, parce que moi je serai un petit peu pressé d'avoir et puis si j'ai voir monsieur Pilon, je vais lui faire un bisou. Mais après je vais être un petit peu partagé parce que le problème c'est que moi je suis amoureux de Kimberly. Ah oui. Ouais. T'es amoureux de la fée clochette aussi. Ouais, mais je suis amoureux de Kimberly, parce que Kimberly, elle est toujours gentille avec moi, hein, puis elle m'a donné des bonbons, et une fois aussi, elle m'avait donné de la salade, qui fait rigoler. Bon. Ouais. Et t'as bien rigolé. Ouais, je l'ai donné à un autre policier, et j'ai bien rigolé. Ah ouais. Ouais. C'est clair, ça. Ouais. Parce que moi, j'aime pas trop la salade, je préfère les petits hamburgers avec les cacahuètes dedans. Et aussi un petit peu la les confiture. Les hamburgers avec les cacahuètes dedans. Ouais, avec la confiture. Oui, oui, la fée clochette, comment ça va? Oh, encore? Oui, vous êtes bientôt prête ou pas? Oh. Ah oui. Et ce qui ferait plaisir à mon cadet major, ce serait de retrouver la vraie fée clochette, voyez, quand vous aviez la combinaison complète toute verte, ouais. Votre petite couette blonde avec vos ouais, petites ouais, ailes. Ouais. Oh, les petites ailes. Et les petites varines. Super. Avec le petit collant, avec le petit collant. Et rappelez-vous, fée clochette, vous êtes la vraie fée clochette. Hein. Donc présentez-vous comme à l'époque à la télé, quand vous arrivez, vous disiez je suis la fée clochette, genre, je vous ai envoyé. Père, tout à l'heure, mamie. Oh, mamie. Mamie. Mamie clochette, j'ai dit. Ah, d'accord, parce que, elle est grand-mère. Mais, non, mais elle a grandi depuis l'époque où tu regardais quand t'étais petit. Oh, d'accord. Ouais. J'ai rien compris. C'est pas grave, c'est bon. On y va, vite. Je suis à fond. À fond. Ah, super. Vous voulez qu'on passe par la montagne? Ouais, super. Doucement, monsieur Pillon. Parce que là, j'ai un peu cité, pas impression. Allez, c'est parti, Georges. Ouais. Oh non, ouvre la porte derrière au moins, regarde, j'ouvre la fenêtre. Dehors. Je penche un peu, c'est plus facile comme ça. Regarde, hop là, dehors, hein. J'ai tout mis à côté de.
T'as sur le siège à côté de... Bon ça va, t'as plus rien de vomir, je continue hein. Mais genre... Excusez-moi monsieur Pilon, c'est l'excitation. Le petit burger avec les cacahuètes, la confiture et le... Le fromage. Non, y avait pas de fromage, y avait... Dieu... Tu es raison. Aïe. Bah, Georges. Ça va très bien, monsieur Pilon. Par contre, c'est pas Georges, c'est Tatiana. En tout cas, je suis très très content de voir que vous et moi, on s'est un peu isolés dans la montagne. Ouais, moi aussi, je suis très content. Ouais. Dites-moi, monsieur Pilon. Ouais. Vous allez quand même pas me faire le coup de la panne. Non, voilà, pensez-vous. C'est un plaisir de vous voir. Vous m'avez manqué. Faites-moi là, je perds le contrôle, alors. Mais qu'est-ce qui va ? Aïe ! Qu'est-ce qui se passe? On n'avance plus. J'ai perdu un peu le contrôle en faisant du cross. Ah ouais, d'accord. Elle a fait clochette, elle est où? Elle a fait. On y va là, on est en route. Ah, on est en route parce que je sais pas ce que j'ai, je me suis endormi. J'avais peur que j'avais loupé la. Je sais pas trop où je vais là. J'avais peur que j'avais loupé la fait clochette. Vous m'avez rassuré. Ouais, pas de soucis. Oh, plus vite! Oh, ouais. Ah non! Ça va? Ouais, ça va! Je suis super content! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Rien, monsieur! Georges! Non, arrêtez! C'est un... Non, ça va pas recommencer! Mais m'arrêtez, Major! Arrêtez de m'appeler 4D Major Georges! Je vous dis que je m'appelle Jean-Baptiste, je suis avocat! Je ne suis pas cadet. Non. Écoutez, je ne veux plus entendre vos salades. Pourquoi on est dans la montagne? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Alors écoutez-moi, vous êtes. Écoutez-moi. Non. Alors, déjà, monsieur. Vous voyez ce magnifique? C'est votre père qui m'a dit allez l'essayer et s'il plaît à mon fils, je lui achèterai. Vous êtes un sacré mythomane, laissez-moi descendre. Vous êtes un psychopathe, laissez-moi descendre. J'ai verrouillé toutes les portes. Mais pourquoi vous avez... Non mais vous êtes mal... Mais qu'est-ce qu'on fout à moi? Valérie... Calmez-vous, respirez. Attendez. Écoutez, je m'appelle Jean-Baptiste. Que les choses soient claires. Je m'appelle Jean-Baptiste. Je n'arrête pas de me réveiller avec ce physique qui est dégueulasse et ce gilet jaune. Mais vous savez d'où ça vient ou pas du tout? Non, j'en ai aucune idée. Je voudrais juste partir. Vous me faites vous rappelez quoi de votre vie, vous? Écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que là, à l'instant même, j'étais en train de signer une procédure de divorce, avec Madame Frézoul et son mari. Avec qui? Madame Frézoul et son mari. J'étais dans mon bureau à l'instant. Ah, vous êtes avocat? Exactement, je viens de vous le dire, je m'appelle Jean-Baptiste. J'ai passé le barreau. Je l'ai eu avec brio. Arrêtez de monter là, je vous fais peur. Arrêtez, c'est raide. Ça me fait plaisir à Georges. Non mais c'est raide, c'est étroit, c'est... Arrêtez. Ah, déconnez par pas, exemple, putain. Si je vous dis... Attendez, Jean-Baptiste, quand même. Si je vous dis par exemple, non, je fais clochette. Vous êtes un drogué? Un drogué? Non, la fée clochette, ça vous parle ou pas du tout? Peter Pan, quoi, oui. Ouais, ça vous fait... Vous aimeriez... Ouais, la fée clochette, ça vous ferait plaisir de la voir quand même, non? Stop. Non, vous êtes un vrai drogué. Vous êtes un malade. Non. Mais non. Arrête, non. Prenez pas. Georges. C'est pas Georges. C'est qui? Vous allez me faire du mal. Non, j'en ai pas. Vous allez me faire du mal. Non, on va voir la fée clochette, Georges. Ramenez-moi ma maman. Oui. D'accord, elle est où ta maman? Je sais pas. C'est comment tu t'appelles, dis-moi? Je m'appelle Grégory. Et j'ai 8 voilà, ans. Oui, d'accord. J'étais avec ma maman et puis vous êtes arrivé et puis j'étais dans votre camion. Ah oui, alors écoute, écoute, ta maman elle va très bien. Elle m'a dit. Va faire un tour à Grégory, il adore les 4x4. Hein, t'adores les 4x4? Oui, j'aime bien, mais vous connaissez ma maman?
Un petit peu, oui. Comment ça se fait? Tu sais, est-ce que tu te rappelles de papa? Non. Bah voilà. C'est vous mon papa? Bah oui, c'est moi ton papa, Grégory. C'est... Oh papa! Je t'ai... Oui. C'est le plus beau jour de ma vie. Bah voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Tu t'es endormi, tu t'es réveillé, d'accord? Bah, j'étais avec maman et puis à ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé dans le camion avec toi, papa. Ah oui, oui. Bonjour. Ouais, c'est bon. Je me suis endormi, j'ai fait une petite sieste. La fée clochette. Bah, fait, faut que tu sois en forme pendant la fée clochette. Ouais, mais la fée clochette, c'est toujours bon. Elle est partie déjà. Bah, on y va là. Dis-moi, Georges. Ouais. Comment s'appelle ta maman? Ma maman. Je sais pas, elle est au ciel. Et ton papa? Bah, je sais pas aussi, il est au ciel. Il y a donc aucun lien entre tout ça. Bon, t'as déjà été marié, Georges? Marié, c'est quand on touche les trolls. C'est quand on touche la zézette et puis les. Ouais, quand on fait tout ça, quand on touche les nez, la zézette et que après on s'engueule et après on s'engueule. Quand on retouche les plomb avec la fille. Non, j'ai jamais fait. J'aimerais bien. Peut-être avec une bonnet ou avec la fée clochette. On sait pas. Mais la fée. Putain, dit. Doucement. Ouais, oui. Là, par exemple, je recule, là, par exemple. Tu vois, là, par exemple. Ouais, là, ça recule bien, je vois bien que ça recule bien. Ça marche pas du tout. C'est sympa, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, regarde, trois fois rien, t'inquiète pas, chien. Oh, moi, je m'inquiète pas, tout va bien. Là, ça va, La vérité! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah oui, bonjour! Mais qu'est-ce que tu veux? T'es qui toi? Non, c'est Mais arrête tes conneries! Une randonnée! Arrête tes conneries, la côte est dangereuse! Qu'est-ce que je fous là? Arrête tes conneries! Mais c'est une randonnée! Mais c'est une blague! Vous m'avez dit de le conduire un petit peu, oui! C'est mon 4x4! La vérité, t'as bon goût! Oui. J'ai bon goût, on a tout bon goût, hein! Par contre, t'es sable, c'est dégueulasse. Passe à la boutique. On te fera une petite remise. Hein. Ça fera plaisir. D'accord, pas de problème. Ouais, on a des éditions. Attends, excusez-moi, il y a la fée clochette qui m'appelle. De quoi tu... Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête, enculé de tes dents jaunes. Oui, madame la fée. Non, qu'est-ce que tu me racontes, la fée clochette? Comment vous appelez? C'est pas grave. Mais on se retrouve sur le ponton de la plage de Paletto, vous savez. Oui, voilà. Vous entendez là? Ils sont beaucoup les mecs. Hein. Excusez-moi monsieur, vous avez l'air très ouais. Ah voilà. Ouais. Ouais Georges. Ouais ça va. Bonne nouvelle pour toi. Oh c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que... Fait que j'ai des potes. Ah bon? Allez où? Bah, on y va là. On est pas très loin du tout. Il va voir, ça va être incroyable. J'espère qu'elle. Parce que moi, je l'ai pas vue depuis que je suis petit, donc peut-être que. Enfin, j'espère qu'elle est toujours aussi belle, quoi. Moi aussi, je suis tout excité. Faut croire qu'elle a. Attendez, Weston. Elle a mis son petit collant, et... Oui. Ah, il faudrait que je règle ça, les mecs. Ok, je finis ça et je suis. Oh là là, je suis excité de revoir la. Moi aussi, je suis pas excité. Et pour savoir combien ils sont beaucoup les mecs. Ils vont être beaucoup. Et je vais en. Et alors, ouais. La petite fée. Putain, cache-cache. Maintenant, vous êtes sûr, monsieur Pilon. Bah, arrêtez-vous, okay, je vais y aller. Allez parler à mes collègues, dites-leur que vous avez un problème. moi, je suis pas fort, vous arriverez pas à me trouver. Hein. Appelez, cache-cache. Ouais, je vais descendre, attendez. Bon, demain tu te pointes.
T'as un bracelet. Oh, bah d'accord, d'accord, on a arrêté, c'est mais bon. Demain je t'attrape si t'es pas là. Ah, tu vas partir. Non, 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 viens là, viens là, viens là, viens là. Mais attendez, monsieur Pignon, vous n'avez pas le droit d'essayer de me trouver maintenant, je suis pas caché encore. Ah non, moi je suis pas cache-cache. Bah si, vous avez dit deux fois, cache-cache. Non, monte, monte, on est juste à côté de la fée clochette là. Ah bon? Ah bon, je croyais que vous vouliez jouer en cache-cache. Oh, ah, d'accord, après, j'ai pris la procédure. D'abord la fée clochette. Ah bah c'est fermé. Oh. Hein? Oh. Oh, deux? J'ai l'impression que tu le fais de moins en moins vite, ça. Je suis un peu fatigué. Ah, t'as trois. Ah, ça vous dérange? C'est un 4. Oh, la belle voiture. Oh, c'est peut-être celle de Kim Brunet. Mon amour, Kim Brunet. Je t'aime, je t'aime. Vous savez, Kim Brunet, elle est un petit peu... elle est belle, comme une petite CM2. Moi, je l'adore. Comme une petite CM2. Ouais. C'est ça. Toute mignonne. Attention, est-ce que tu es prêt pour moi? Ouais. Alors ça c'est pas la fée clochette. Elle est où? Alors maman m'a dit qu'elle se poserait ici sur cette jolie selle. Oh, elle est où? Elle va voir au bout du ponton peut-être. Attends. Bah vous me dites d'aller voir, après vous me dites de pas aller voir. Venez, venez. C'est bien sauvage mec, mais c'est sûr, en même temps quand on joue avec Pilon c'est plus facile hein. Il peut se passer plus de trucs. Oh, oh ma monsieur Pilon. Oh, je suis déçu, à chaque fois que vous me faites des... Vous des faux espoirs et des faux cadeaux à chaque fois. Elle est en plein vol là, elle va se poser bientôt, t'inquiète pas. Je crois que vous me prenez trop pour... Oui, madame la fée clochette, vous êtes où? Pour un mongolo. Vous allez voir un 4x4, vous pouvez arrêter derrière et vous, je suis au bout du ponton avec votre plus grand fan, donc vous pouvez arriver en volant. En volant? Ouais, Ouais. Bon, viens, en attendant, on regarde la mer, genre. Je peux pas regarder Cacharel ton MP pour le moment, désolé mec. Ok. Oh ouais? Oh, maman, c'est cool qu'elle est la fée clochette. Bon, mais elle arrive là. À chaque fois, mon petit Pilon, vous me racontez. Non, la première, elle arrive là, très très bientôt. Je croyais qu'on était des amis, quand vous étiez mon copain, et puis maintenant je me rends compte que vous me dites des bêtises tout le temps. Mais non, pas du tout, vous allez voir. Genre, je fais ma confiance, je dis qu'elle arrive. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que. On regarde la mer, on regarde des petits poissons, et voilà tout ça quoi. Il faut que je joue avec vous comme avec Timmy pour que vous arrêtiez de me raconter des bêtises. Et je te raconte pas des bêtises, je te dis que la fée clochette elle arrive, elle est en route là. Enfin, elle est en route, elle est en vol. Elle est en vol? Elle va arriver par là? Elle va arriver par là ou elle va arriver par là? Elle va arriver dans le coin, je pense. Oh non, je suis pas content, monsieur Pélon. De quoi? Oh, elle est pas là, vous foutez ma gueule. Mais elle arrive, je vous dis. Ouais. T'es impatient, hein? Ouais, je suis impatient. Ah bah, je sais pas ce que ça veut dire, mais ouais. Ouais, je vous ai jamais vu énerver, Georges, ça fait bizarre. Bah ouais, parce que ça fait deux fois. Une fois, vous m'avez dit, Georges, j'ai un petit cadeau pour toi. Après, j'ai pas eu mon cadeau. Après, oui, vous oui, m'avez je me rappelle. On m'a dit, ouais, je vous dis... Écoute-moi, pour me rattraper, écoute. Pour me rattraper... Ouais. On va, en premier, on va prendre la fée clochette et après, je t'offre ton cadeau. Regarde bien la mer, Georges, regarde bien la mer parce que je sens qu'elle va arriver bientôt, d'accord? Ouais, je regarde, mais je vois rien parce qu'il y a des... T'entends pas, mais s'il ferme les yeux, écoute les bruits d'elle. Oh, je ferme les yeux. T'entends, écoute. Oh, fou. Oh, elle est là, elle vient d'arriver, regarde derrière. Elle vient d'arriver, la fée clochette, elle est là. Retourne-toi. La fée clochette, elle est là. Oh, non, 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 attendez.
je vole bien. Oh, oh ma. Oh, oh. Elle est belle la fée clochette. T'as vu, oh. C'est la vraie fée clochette. Oh, c'est notre ami Peter Pan, tu sais. What? Il m'a dit qu'il fallait que je vienne te voir. What? C'est quand j'avais demandé aux fées clochettes. Ah, oh, ça fait. Oui. Depuis que j'étais tout petit, que je tout m'entraînais mais en regardant vos vidéos. C'est bien. Ouais, je suis pas content de vous rencontrer pour une fois. Vos petites ailes, et puis vous êtes vraiment très grande maintenant. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elle a grandi, Jean, je t'avais dit. C'est des bonbons à la poudre de perlimpinpin. Oh, ah, des bonbons à la poudre. Oh non, c'était des bonbons à la poudre de perlimpinpin. Attendez, regardez pas. Oh, je poudre de perlimpinpin. Poudre de perlimpinpin. Ah ouais, super. Vous avez pris un truc pour les ailes? Monsieur Pilon, vous pouvez redonner à Monsieur Pilon pour qu'il soit content, c'est parce que c'est lui qui m'a amené. Non, c'est tout pour toi, Georges, tout pour toi. Oh, c'est vrai, Monsieur Pilon, hein, je vous en donne rien. Est-ce que tu... Voilà, un autre bonbon à la poudre de perlimpinpin. D'accord, alors, la poudre à perlimpinpin, alors. Oh, fait clochette. Ok, je pourrais aller au pays des enfants sages. On le mange tous les deux, d'accord? Ouais. Oui. Et ah, regardez. Oh, vous sentez, Monsieur Pilon? J'ai l'impression que j'ai un peu comme Moi aussi. Ah ouais, c'est super, je vole. La peau de perle à papa, ouais. Oh, la peau de perle à papa. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Oui, je me suis envolé. Ça c'est peut-être le changement. Georges, c'est pas l'oiseau. Ah si, je me suis envolé, c'est la poudre. Fais clochette. Je voulais vous demander, est-ce que vous pourrez m'emmener au pays des enfants sages? Parce que moi j'avais joué avec Timmy une fois, mais c'est parce qu'il insistait. Alors Monsieur Peter Pan, il m'a dit que tu devais rester là parce que tu devais porter la bonne foi à tous les enfants parce que t'étais tellement sage que tu devais prendre la bonne foi. Je pense que j'allais voir tous les enfants. Ouais, d'accord, je pourrais leur faire des bisous. Oui. Je leur ferai des bisous alors. Peter Pan m'a dit que t'étais si gentil. Vous avez un rire de cancéreux, ma vie. Je voulais que tu dises que tu donnes tous les enfants plein de bonheur. Oh ouais, je vais donner un... Que tu leur dises... Que tu leur dises de rester sages. Je vais donner à tous les enfants. Je vais leur donner plein de bonheur. Oui. Plein de bonheur. Il faut répondre le bonheur et la bonne humeur. Oh, le bonheur dans leur bouche. Avec la poudre... Je vais répandre la poudre de perlimpinpin dans leur bouche, dans la bouche des enfants. Ouais. Non, Georges. Ouais. Quoi? Mamie, vous en avez assez fait. Elle a fait que le chef, vous en avez assez fait là, non? Je vais répondre à poudre de perlimpinpin. Je touche les enfants. Je touche. Surtout les petits. Sur les petits. Peter Pan, il a dit qu'il fallait que tu sois un bon garçon aussi. Je vais être un bon garçon. Il fallait pas que tu fasses de bêtises. Je vais les aimer, surtout les petites CM2. Je vais toutes les aimer. Ouais. Je vole la poudre de perlimpinpin. Je sais pas s'il est encore contrôlable. Voilà. Maintenant, on va laisser la fée s'envoler, Georges. Non. Encore un peu. Georges, oui. Faut être un bon garçon. Les adultes et surtout pas faire bêtises. Je ferai pas de bêtises. Je vais juste saupoudrer tous ces enfants de poudre de perlimpinpin. Peter Pan, il m'a dit que quand tu seras si gentil que tu seras devenu très 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 gentil, ouais, il t'emmènera dans un lieu magique. C'est vrai? Oui. Mais pour ça, il va falloir que tu fasses beaucoup de gentillesse. Ouais, je vais être très gentil. Tous les enfants que je vais voir, je vais être super gentil avec eux. Je vais leur donner plein de poudre par la papa et leur dire que Peter Pan, il est là et dans ma voiture et que je les emmènerai dans un pays magique. Oh ouais, super. Ça va être bien. Super. Super. Mais plus tard, pas encore. Peter Pan m'a dit qu'il arriverait
d'ici quelques dizaines d'années, parce que tu sais, il doit beaucoup s'occuper d'un peu partout les enfants. Ah non, bah je l'ai vu tout à l'heure, Peter Pan, c'est lui qui m'a dit quand vous étiez là. Même si tu grandis, il y aura toujours une place pour toi au pays imaginaire. Oh bah ça c'est super gentil. Moi j'espère venir bientôt, parce que en fait, là, la police, je me fais un peu chier. Y'a que Monsieur Pilon qui est gentil avec moi, mais sinon, je m'ennuie. En plus, tout le monde me prend pour un golo-golo. Bah ils me prennent pour un mogolo. Parce que je suis un petit peu charbert comme ça. Juste parce que je danse comme ça. Qu'est-ce que tu danses? Juste parce que je danse bien. Je pense qu'ils sont juste jaloux parce que j'ai... C'est la jalousie. Major, ils sont jaloux parce que t'es major. Vous avez vu, monsieur Pilon, il y a une voiture qui est là. Elle est mal garée, il faudra mettre une amende. Regardez là-bas. Ne t'en fais pas, c'est une voiture pleine de trous. Attendez, je vais m'en occuper, monsieur Pilon. Non. Laisse la voiture là-bas. Je peux lui mettre 500 ou 600 dollars si vous voulez. Non. Bon, Georges, on va laisser la fée. Fais un bisou à la fée. Elle faut qu'elle s'envole. Fais quoi, chèque, tu vas vous demander un dernier truc. Attendez, monsieur Pilon, vous pouvez vous écarter. Entre la fée cloche et moi. Parce que j'en profite. Vous êtes gentil. Je vais te prendre dans mes bras. C'est un entorche que je sens. C'est ça. Je pourrais toucher vos plots avant que vous partiez. Oh, je vous en prie. C'est vrai. Georges, oui. La vache. C'est bon. Attendez. J'ai touché les plats. Vous refusez tout le temps. Le travail paye, les mecs. Le travail paye. Bon. Merci. Allez, on s'en va. Envolez-vous. Nous, on s'en va. On vous laisse vous envoler. Ouais, envolez-vous. Je vais pas regarder quand elle s'en va. Envolez-vous. Je vais encore arriver vous regarder. Très bien, mon petit Georges. Je fais un bisou pour me porter, Georges. Oui. Merci. Encore un. Attends. Tiens, vas-y, c'est bon. Envole-toi. Et surtout, sois gentil avec les enfants. Envolez-vous là-bas quand je regarde. Sois gentil avec les enfants. Et surtout, apporte du bonheur et de la joie à tout le monde. Ouais, d'accord. Je coûte. Envolez-vous là-bas quand je regarde. Oui. Il a du mal à décoller. Hein. Triste. C'est peut-être à cause de son gros cul. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Bah, j'en vois pas. Vous n'avez pas donné à quelqu'un? Non, ta mère. Bah oui, le chat. Bah vas-y, envoie-toi. Non, mais je mets toutes mes unités pour retrouver le chat. Bah envoie-toi. T'as désolé les mecs, je tousse. Ok, ça marche. Monsieur Pilon, elle est encore là, elle s'est pas envolée. Moi je... Bah, parce qu'en fait le problème c'est qu'elle a pris un petit peu du cul et je crois qu'elle a du mal à décoller. Mais non, elle va décoller, Georges. Évidemment qu'elle va décoller. C'est juste qu'il faut qu'elle se concentre avant de décoller. Regardez, elle décolle pas. Oui, je vois qu'elle a pas décollé encore, mais je suis sûr qu'elle va décoller bientôt. C'est quand? Parce que c'est un petit peu... Elle va décoller en touchant un petit peu l'eau pour se rafraîchir le visage. Elle va décoller, c'est sûr. Peut-être qu'il faut que je... Elle a décollé. Elle a disparu. Elle a décollé. Super, allez, on y va. Monsieur Pilon. Oui. Je voudrais vous dire merci parce que c'est vraiment le plus beau jour de toute ma vie. Attends, il y a le deuxième cadeau maintenant. Non. Ah bon? Ah oui. Oh, mais je suis gâté. Ça me rappelle les moments que je passais qui étaient sympas avec tonton dans la cave. il me donnait des bonbons. Je devais sucer un tuyau et puis c'était bon. Bon, madame. Ouais. Rien. Regardez la belle voiture rose. Moi j'aimerais bien avoir une comme ça, une rose. Ouais. J'aimerais bien avoir la même que vous, mais en rose. Oui, allô. Oui, bonjour madame. Allô. À droite. Il fait beau là, couvrir un peu au soleil, ça va, vous allez sécher.
Je voudrais ça, mamie, promis, la culbute, le bureau et tout. À droite. Promis. Promis, madame. Bon, je... vous embrasse, hein, très fort. Promis, c'est vrai. Attendez, je passe à côté de téléphone. Oui, à qui? Allô? Ouais. Dans le cul. Dans le cul, Timmy. Ouais, bah j'ai fait la flèche clochette. Hop, tu peux aller te faire foutre avec ta fellation enculée. C'est bon, j'ai raccroché. Bon, tu m'attends là, Georges. Ouais. Descends du véhicule, quand même. Je vais t'offrir... alors, regarde, c'est tellement beau. C'est un véhicule que je m'étais dit que j'allais donner à mon fils si j'en avais un jour, mais comme je suis résigné à pas avoir de femme, bah, vous voyez pas, du coup... Ouais. Je m'attends, hein. Ouais, je suis votre fils. Je suis le fils de Monsieur Pilon. Je suis le fils de Monsieur Pilon. Regardez comme je suis futé, j'ai tout compris. Je suis le fils de Monsieur Pilon. Je vais l'appeler papa, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Moi qui me pensais que mon père il était au ciel quand je l'avais pas connu. Je m'étais trompé. Ouais, ouais, t'inquiète, y'a pas de problème, papa, prends ton temps. Non, non, mais papa, enfin... Bah si. C'est mal, les gars, hein, d'être nombreux sur le live, je crois qu'on n'a jamais été autant... Hein. C'est cool, ça fait plaisir. J'espère que vous kiffez. Moi, je passe un bon moment, en tout cas, c'est toujours cool de RP avec Zardoz. Oh, Pilon, c'est mon papa. Je vais dire à tout le monde. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui. Pilon, c'est mon papa. J'ai rencontré la fée clochette. Oh, la vache. C'est quoi? C'est pour moi? Oh, monsieur Pilon? Oui, monte derrière moi, Georges. Oh, ouais, super. J'arrive pas. Ah, c'est bon. c'est quoi ça? C'est pour bien voir derrière, c'est bien ça. Ouais, comme ça tu vois, c'est pas pour un accident. Ouais, c'est bien. C'est pratique. Allez, on y va, papa. Tiens. Oh. Une petite pièce symbolique. Ah, c'est pour moi. Bah oui, c'est... Attendez. Bougez pas. Regardez pas. Mais combien de fois tu es capable de faire ça? Allez, va t'amuser, d'accord, Georges. Moi, je vais un peu travailler. Oh, merci, papa. Allez, salut, Georges. Ah non, faut que tu montes devant, par contre. Là, t'es un peu loin. Et là, mais... Alors, regarde, si tu montes devant... Non, je peux pas monter devant. Quoi? Bah, parce qu'il faut d'abord que je fasse ma procédure. Ah oui. Chantal Goya, sois loué. T'es belle comme une petite CM2. T'es à moi. Je vais te mettre plein de poudre de perles, ouais, papa. Une fois derrière. D'accord. Là, ça y est, t'as fini la procédure, là. Ouais, c'est bon, t'es à moi. C'est bon. Allez. Ouais, je peux y aller. Salut, Georges, amuse-toi bien. Oh, c'est super! C'est bien! Cadeau Georges!
Oh, super. Oh, regardez ce que j'arrive à faire. Putain, mon père, il est trop cool. Oh, super. Caché. Oh, je peux presque décoller avec. Oh, super. Regarde, attends, mon grand, tu veux encore faire la bagarre. Elle ira trop bien avec mes habits. Ouais, je suis fier de toi, tu m'as mis une baraque. Oh, tiens, je peux l'essayer. Oui. Ouais. J'espère que ce soit rien de grave. J'ai fermé. Oh, ma boutique, tu veux pas m'ouvrir? Paf. Ouais, bah, je te l'ouvre. Ma boutique, c'est à toi? Oui, mais tu fais un tour, tu me la ramènes. Je peux t'acheter. Oh, ma boutique, s'il te plaît. Oh, je te donne. Non, s'il te plaît. Oh, je te ferai des bisous. Et tu fais attention. Oh, c'est des fous boostés. Putain, mais objet, c'est ma voiture, ça, les mecs. Franchement, c'est pas ma voiture, ça. Oh, oh, tiens, c'est trop bien. Oh, putain, non, mais c'est ma caisse, ça, les mecs. C'est ma caisse. Ça, c'est ma caisse, je suis désolé. Ça peut pas être la caisse de quelqu'un d'autre que ma caisse, ça. Oh, ouais, il est bien. Et maintenant que je te donne comme ça. Ah bah ouais, c'est bon. Moi, je la prends. C'est obligé, c'est pour moi. Ah bah ça, c'est obligé, c'est pour moi. Bah ouais, ça c'est moi aussi de me conduire comme ça, au moins, je suis sûr que je vais pas me faire arrêter, je vais pas avoir un petit PV et tout. Bah ouais. Mais les gars, faut qu'ils me la vendent, c'est pas possible. Hein, on est d'accord. On est d'accord, c'est ça peut pas être la caisse de quelqu'un d'autre dans le RP. Putain. Putain, je suis vulgaire. Faut que j'arrête d'être vulgaire. Mais c'est ma caisse, ça. Bonjour,
messieurs. Ça y est, ça pingole. Oh, j'ai déjà. C'est lui, il faut aussi qu'il vous verse la somme. C'est bon, bah bon, je la prends. On va choisir quel type de capote on va utiliser ce soir. Ah bon? Oh, je peux pas le dire. Toi, t'es mon copain, toi. Et après, quand si tu vas à la plage, tu me dis. Oh, bah, pas bon. Je vais le dessus avec votre main pour l'utiliser et il se collera dans votre portefeuille. Et voilà. Et toi, avec tes cheveux rouges, t'es mon copain. Merci beaucoup. Non. Dis, t'es mon copain. Je vais t'attraper. Non, laisse-moi tranquille. Oh, y'en a plein. Je vais t'attraper. Non, tu me laisses tranquille. Si, je vais t'attraper. Non, laisse-moi tranquille. Je vais t'attraper. Non. Je vais t'attraper. Arrête. Oh, la rouge. Je vais t'attraper. Oh non, mais arrête, laisse-moi tranquille. Je vais t'attraper. T'attraper, voilà. Arrête, moi je veux t'attraper. Qu'est-ce que tu fais? Je teste la solidité de mes genoux. Ah, super. Et toi, avec tes cheveux rouges, viens. Oh, babotineur! Je la prends! Non, on la vend pas. Oh, pourquoi? Parce que... On peut pas. Oh non! Ah si. Oh, viens, pas, désolé. Viens, comme t'as les cheveux rouges, je te donne une orange. Genre, je sais pas. Ah si, c'est gentil, je vais faire un bijou. Elles sont même pas au garage. Oh non! C'est trop triste! Ouais, oh non! S'il vous plaît, donnez une voiture à Georges! Pour une fois que je trouve une voiture qui me plaît! Allez, s'il vous plaît! Elles vont servir pour une course! S'il vous plaît, la voiture à Georges! Ouais, mais tu pourras t'inscrire à la course si tu veux! Allez, s'il vous plaît! C'est vrai, tu t'inscriras à la course si tu veux! Oh non! Juste une! Non, c'est pas! Babou! Oui, non, non. Oh non, mais tu sais, la voiture que tu m'avais fait avec le petit sourire et le grenier, bah, je l'ai perdu. C'est pas grave, ça arrive. Oh, mais je suis triste. Ouais. Faudrait, madame ce pilon, t'en refaire une ici. Bah, monsieur pilon, moi, je vais vous dire un truc. Le dit à personne. Bah, monsieur pilon, c'est mon père. Ah merde. Bon. Voilà. Son père, c'est un marteau pilon. Oh putain. J'ai demandé. Oh la vache. Allez, s'il vous plaît, juste une petite fois. Allô, Capuchin. On sera gentil. Eh ben, on peut pas. Oh, je suis déçu. Sérieusement, inscrivez-vous à la course. Quand elle va être faite, comme ça vous pouvez. Ouais, mais nous, on voulait que Georges il ait la voiture maintenant, comme ça on allait faire un tour et faire tout et peut-être toucher les lolos des filles. Ah, mais non. Voilà. Là, on s'est fait engueuler parce qu'on lui a prêté la bagnole. Allez, pour qu'on puisse toucher les cocottes. Ah, mais non, on peut pas, on s'est fait engueuler, genre. Ah merde! C'est son fils par procuration. C'est Georges Pinon. Georges Michel Pinon. Ok. Et moi je m'appelle Michel aussi. Michel Vaillant. Ouais. Regarde, c'est écrit dans ma carte d'identité. On pourrait devenir tes copains, toi et moi. Non, s'il te plaît. Allez. J'ai toussé. Allez. Et du coup, elle est bon. La dépanneuse. Oh, pourquoi? Et sur dit. Si tu gagnes la course, tu gagneras peut-être une voiture. Sur dit, s'il vous plaît. Oh, tu peux appeler papa? Non, mais je peux pas vous donner de voiture, je vais me faire virer. Non, on veut pas une. Juste une petite là comme ça. Non!
Ah bah bon. Que 8, on en a sur le 27, 40 000, 1200, ah bah bon. Que 8. Oh bah bon. Ouais. Oh, tu peux appeler mon papa pour qu'il vienne me l'acheter. Ouais, il veut pas. Oh non. Oh bah je me cache. Bon bah. Et vous, bah vous non plus du coup. Moi je suis en train. Vous êtes pas gentil. Je cherche. Cette touch les mecs, ça c'est une touch. Ah, je suis un peu déçu de pas avoir la voiture les mecs, je suis un peu déçu. Bon j'ai ça quand même, ça c'est un peu... C'est swagué quand même, hein, qu'on se le dise. Mais en même temps, je devrais rouler comme ça en fait. Hein. Avec ce scout, je vais lever Kim Bourlet. Ah putain, il faut que j'y aille. Je la monte comme ça, Kim Bourlet. Comme ça, je la monte. Ouais, là, je suis à l'image de Georges. Là, je suis en roue arrière sur l'autoroute de la vie. Je m'en bats les couilles. Bon, en tout cas, j'espère. Putain, on est beaucoup ce soir. Hein. On est beaucoup. J'espère que vous kiffez, les mecs. Je sais pas quelle heure il est, est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'heure, juste pour savoir. Parce que demain il y a travail, je pense que je vais en vérité je vais m'arrêter là. Minuit et demi, ouais, ça va, bon on va rester encore une petite demi-heure alors. Mais déconne pas, il est vraiment minuit et demi. Ou tu me trolles. Ah ouais, il faut que ça parte en sucette comme hier, ce serait vraiment pas fun. Franchement hier c'était un peu décevant hein, les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé mais c'était compliqué. Par contre ça avance pas ce truc hein. Vous croyez qu'on peut le custom ce truc? Ou il est déjà custom? Ah ouais d'accord. J'en étais sûr que tu étais en train de me troll toi, salaud. Ouais bah en vérité les gars je vais ramener le scout. Et je pense que je vais stop là. Et puis on va peut-être faire une petite session de discussion. Putain 24, je crois qu'on fait un record ce soir hein, les mecs. Ça fait plaisir en tout cas. Merci à tous les gens qui ont follow ce soir. C'est vraiment cool. J'espère que vous kiffez les aventures du cadet Major Georges. Ah, j'espère que vous êtes bien content de regarder un petit peu les petits vidéos que je fais parce que peut-être que peut-être qu'après vous vous touchez votre Lily quand vous me regardez puis si vous pouvez m'envoyer des vidéos de vous qui vous touchez votre Lily moi je regarderai aussi on fera des ouais super vous avez compris quoi. Non voilà, en tout cas c'est cool. Non ça va, je fais pas comme Georges quoi. Quand je suis content, en vérité les mecs, je suis un mec totalement sain d'esprit et plutôt normal. Après, il faut juste que j'arrive à cogiter vite pour retomber sur des jeux de mots tout à l'heure. Moi elle m'a fait délirer la meuf quand elle a dit au garage, je sais pas si vous avez vu, quand elle a dit ouais on va voir un peu... qu'est-ce qu'on va faire pour ce soir? Quelle capote on met? Tu vois, ça c'est le genre de phrase, ça me fait rigoler quoi. Si, je te presse, si, c'est sûr que je suis sain d'esprit, mec, je te jure. Bon, d'accord, je suis pas complètement sain d'esprit. Je suis peut-être un peu chelou. Non, je suis pas chelou, non. Dédoublement de personnalité IRL, les mecs. Ça avance pas ce machin en fait, si je suis obligé de me trimballer ce truc. Mais il est custom ce truc, non déjà? Et ça me donne une touch ça. Elle est pas belle là la vie? Ah, avec le petit cul qui me brûlait derrière. On ferait pas un parfait couple là?
Ah c'est full custom déjà. Ah sinon ça lèverait pas comme ça hein. Ah tu peux faire des warriors de ouf avec ça. Tu peux faire des warriors de dingue. T'es planté moi. Par contre ouais il faut pas les laisser de ce que je comprends c'est qu'il faut plus les mettre dans les garages. Parce qu'en fait ma voiture je l'avais laissée dans mon garage et elle a des pop. Et en fait je sais pas pourquoi les voitures dépopent dans les garages, c'est quand même relativement stupide comme truc. Genre pour faire de la place sur le serveur apparemment. Est-ce que je compte rester dans la police? Pour le moment oui. Non elle est pas dans mon inventaire hein. Regarde, j'ai une orange et plein de masques d'animaux. Est-ce que je compte rester dans la police? Ouais, je pense que je vais rester dans la police pour le moment. Après, c'est vrai que ça pourrait être drôle d'aller emmener Georges dans d'autres aventures. Simer pour le follow, je vois pas encore qui c'est, mais je te remercierai après. Bah voilà, c'est Bender. Bender le bot, merci Bender, bienvenue à toi. J'espère que tu kifferas les aventures du Calais Georges, j'espère que tu vas bien. Bah là t'arrives un peu en fin de soirée, mais on prendra le stream certainement semaine prochaine, parce que, ouais, quoi que demain je suis là aussi. Je streamerai peut-être demain soir. Et après, une fois que notre belle journée de demain sera passée, ce sera pas avant la semaine, enfin dimanche prochain, parce que je suis full booké. 5 masques d'animaux, bah ouais. Bah ouais, Georges il aime bien imiter les animaux les mecs, vous savez très bien, c'est son kiff. Il pense que quand il met un masque de chien, il est déguisé en chien que personne peut le reconnaître, vous voyez. Il pense qu'il est un chien à ce moment là. Vous voulez plus de live? Ah ouais mais là ça fait 3 soirs que je live là, je peux pas faire mieux les mecs. 3 lives d'affilée. 3 soirs, 3 lives d'affilée. Je suis au taquet là. Je suis à 100% les mecs. Non, puis bon, hein, je compte investir dans une webcam aussi. Histoire de vous faire plaisir. Enfin, pour faire plaisir aux Igar, quoi, vous m'avez compris. Bon, c'est encore pire que si je roulais en marche arrière, en fait, ce truc. Ça avance vraiment pas, quoi. Ah, en fait, je peux aller plus vite que ça. Go CS. Ah bah je veux bien aller CS mais je vais pas aller CS en stream parce que sinon je vais être aussi crédible que le cas des Georges à CS. C'est un beau cadeau que tu m'as fait là quand même hein. Ça personne ne l'a ça. Ah il y a la petite antenne, c'est pour rentrer en communication avec les extraterrestres. Oh regardez quand j'appuie là ça envoie un message qui dit voulez-vous avoir des petits donuts, venez à la maison de Georges et puis on vous les donnera. Un truc énorme c'est quand tu prends un mur autre. Ouais quand j'ai un dédoublement de personnalité ouais. Bah tu m'étonnes qu'il coûte extrêmement cher, t'as vu un peu tous ces rétroviseurs, attends. Il y a 40 rétroviseurs chromés hein. Tu m'étonnes qu'il vaut la peau du cul ce truc. Celle en sky de gnou et tout, franchement, on est bien. Mais ouais, le dédoublement de personnalité, ouais, et je vais le pousser encore le dédoublement de personnalité. Là, vu que j'ai mon scooter, je vais avoir des nouvelles procédures, ça va être drôle. Et puis, je vais pouvoir aussi... la course de pilon. Ah, bah merde. Je savais même pas qu'il y avait une course, les mecs. Personne ne me met au courant aussi. Les handicapés sont pas les bienvenus, vous savez très bien. Ils sont rejetés ici. Il y en a vraiment qui me fuient comme la peste hein, sur le serveur. Dès qu'ils entendent le mec rigoler, ils comprennent ça à un gogol, ils cherchent pas à comprendre quoi. Le RP se termine ici quoi. Bah, pilon voulait me tel mais. Hop, je me la pète en roue arrière devant le motard. Pilon voulait me tel mais ouais mais faut que. Il a pas mon.
Il a pas mon numéro, Pilon. Bah d'ailleurs moi j'ai le numéro de personne. Parce que c'est tellement compliqué de prendre le numéro de George et de donner son numéro à George que les mecs désespèrent avant. Bon, je vais le mettre là, mon scout, les mecs. Obligé, il va des pop. Voilà. Ou alors je mets parking central. C'est quoi le mieux? Parking central? Dites-moi, les mecs. C'est quoi le mieux? Parking du LSPT? Ouais, mais je sens que le LSPT va me des pop. T'es sûr, les mecs? Vous me trollez là, non? Ah, bah je peux me mettre là, là, regardez. Y'a personne là. Parfait là. Voilà, ah, il est bien là. C'est la place de Georges ici. M'arrêter là, les mecs. En tout cas, c'était encore très cool de vous avoir avec moi. J'espère que vous avez bien rigolé. Ce soir, on s'est amusé, c'était cool. Hier, c'était un peu compliqué, hein. J'avoue, hier, c'était vraiment tendu avec tous les événements qu'il y avait sur George le Biker. Ah, tiens, je pourrais peut-être aller dans un coup de biker. Ça serait une bonne idée. Genre, j'arrête là les speedy et j'essaie de rentrer chez les bikers avec mon scout. Ça, ce serait thug. Parce que du coup ce serait aussi handicapant que les procédures. Parce qu'il y aurait une procédure plus un scout qui avance pas dans un crew de biker. Il serait obligé de m'attendre toutes les deux minutes. Ça c'est lourd ça. T'as une super idée, je te brise. Et ouais, hier c'était compliqué de RP. Ce soir j'ai bien rigolé. Putain, désolé, je tousse les mecs, c'est l'enfer. Des fois j'ai plus de voix à la fin du stream. Bah écoute, sauvage, si t'as rigolé instantanément, c'est plutôt bon signe. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Cette soirée, j'ai vraiment... Ah, attendez, je vais me régaler. Oh, bah j'ai mal garé, ça. Ah, c'est à qui? Oh, ça, ça. Je sais même plus comment on fait. Ah, c'est ça. Monsieur Django, comme le film, c'est pas bien. Hein. Oh, vous êtes mal garé. Bah moi je sais pas, je clique. Non mais voilà les mecs, en tout cas c'était cool. C'était cool, ouais bah hésite pas à regarder la rediff sauvage. C'était cool de vous avoir avec moi ce soir. Je suis content parce qu'il y a de plus en plus de viewers. Ça me fait vraiment plaisir les mecs. Merci pour le soutien. Pour tous les trucs que vous dites dans le chat, pour tous les petits mots sympas que vous avez à mon égard sur le RP du KD Georges, voilà, ça me fait plaisir, je vous le dis. Et ouais, je vais les mettre sur YouTube les rediffs pour qu'elles restent plus longtemps. Je vous inquiétez pas, je ferai ça. Maintenant, je fais pas d'edit, je fais rien, je les laisse brutes telles quelles. Donc voilà. Ouais, mais je sais que je peux le faire, Stumpf, mais franchement, si je fais ça, c'est un peu abusé quand même. Déjà 500 balles, je trouve que c'est... Bon, tu me diras, je sais pas comment ils gagnent leur vie, mais moi, c'est une heure de salaire, 500 balles. Hein. Donc ouais, c'est vrai que je pourrais le faire une fois, tu vois, juste une fois pour rigoler un peu. Je pourrais le faire une fois, ça pourrait être cool. C'est une bonne idée aussi. Ouais, voilà, donc déjà 500 balles d'amende, si c'est la crise, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. En tout cas, c'était cool, les mecs.
Si vous êtes chaud, je suis chaud de raid un peu. Encore une fois, Zardoz ou quelqu'un d'autre. Ça me ferait plaisir. Ou Boopsy. En même temps, Zardoz il mérite et je kiffe jouer avec lui. Boopsy, j'ai pas trop joué avec lui. Donc je vais faire un petit raid sur Zardoz si ça vous dérange pas. Si vous voulez rester et y aller au maximum pour lui montrer qu'on peut être plus que 10 comme la dernière fois, bah ça me ferait plaisir. Après sinon on peut aussi un peu rester ensemble hein, les mecs, vous avez des choses à dire. Je vous ai dit pareil, n'hésitez pas à joindre le Discord que j'ai mis en bas. Si vous voulez qu'on discute dans des channels même, moi il n'y a pas de problème, je suis à dispo. Si vous avez des idées à partager pour le cas des Georges, je suis preneur aussi, j'ai mis un chan écrit. Si vous avez des choses à écrire, et sinon on peut même en discuter quoi. Donc n'hésitez pas, je suis disponible et on peut en parler. Et ça me fera plaisir de vous parler aussi, de vous rencontrer vocalement. Voilà. Faut que t'arrives à quoi? À ITW George. ITW. Zardoz fait un truc qui déboîte, ben on va le raid du coup. On va le raid les mecs. Bon, je vous fais tous des bisous. Go raid un maximum Zardoz là. Et puis merci pour tout. Merci d'être là. Vous me faites kiffer les mecs. Et j'essaie de vous le rendre, voilà. Bisous. Allez, go raid un maximum. On dépasse pas, on dépasse pas. Écoutez le commissaire. On dépasse pas. Écoutez le commissaire, vous ai dit. Avance, sac à merde. Poussez-le. Allez, poussez-le. Allez, avec les... Sinon, je le...